against you. Gonna look you right in the face. How in the world are you gonna see? Laughing at fools like me. Who on earth do you think you are? Faut-il appartenir au passé pour devenir une légende? Pas forcément. La nouvelle Golf. Bienvenue au grand show Moltonel. Et c'est parti. On va admirer cette épaisseur, cette résistance incroyable. Ça, c'est du Moltonel. Et regardez cette texture matelassée unique, cette douceur fantastique. Moltonel, son moelleux va vous attendrir. Feuilletine à Host, c'est un tout nouveau plaisir à découvrir. Feuilletine, non seulement c'est joli, mais aussi et surtout, le jambon, le salami et la volaille, moins c'est plat, plus c'est fin. Feuilletine à Host, le fin du fin au quotidien. Bon et si léger que c'est un plaisir de s'y attacher. L'Airdamer Light Life, où je fais un malheur. Avec certains parfums d'intérieur classique, au début tout se passe bien. Mais ils perdent rapidement de leur intensité. Le nouveau Crystal Air Design d'Airwick contient deux fois plus de parfums qu'un gel basique, afin de vous offrir jusqu'à 6 semaines de senteurs raffinées. Airwick, des parfums qui changent la vie. Plus que sa technologie de pointe, ses 45 brevets exclusifs et ses lames ultra performantes, c'est toute l'expertise de Gillette. Aucun rasoir n'est plus confortable que Gillette Mach 3 Turbo, on vous le garantit. Mach 3 Turbo, le rasage le plus précis, le plus confortable, on vous le garantit. Mach 3 Turbo de Gillette. Essayez Mach 3 Turbo Champion gratuitement. Bonsoir et bienvenue dans Actuel. Le format de l'émission de ce soir sera un peu différent de celui auquel vous êtes désormais habitués. En effet, nous vous présenterons deux documents. L'un sur un homme dont le potentiel de séduction ne cesse de se confirmer dans l'opinion américaine. L'autre sera consacré à un dossier qui porte le nom de l'homme sans doute le plus détesté de Belgique. Nous avons besoin d'avoir une politique étrangère mieux pensée et nous la ferons. John Forbes Kerry, hier encore improbable candidat idéaliste, aujourd'hui adversaire de George Bush. George Bush pensait pouvoir se déguiser en pilote d'avion. Face au président de guerre se dresse le nouvel héritier de Kennedy, à la fois héros du Vietnam et égérie du mouvement pacifiste. Comment pouvez-vous demander à un homme d'être le dernier à mourir pour le Vietnam? D'être le dernier à mourir pour une erreur. JFK, le retour, portrait de cet homme qui veut s'installer à la Maison Blanche. Quelles sont vos qualités qui vont faire que vous allez gagner? Je vous dirai plus tard. J'espère que cette enquête-ci ne sera pas étouffée. J'espère qu'ils iront jusqu'au bout et qu'ils prendront le temps qu'il faut et les moyens qu'il faut. Perquisition et rapports bâclés, surveillance approximative, guerre des polices. Tout le monde était au courant, mais à Charleroi, personne n'osait rien dire. Je vous répète, je n'ai pas tué de fille, moi. Ils avaient repéré le prédateur. Ils vous disaient ça, prédateur et 150 000. Prédateur, 150 000. L'affaire qui a bouleversé la Belgique est celle des dysfonctionnements. Vous avez dit, ça avance bien. Je n'ai pas son nom. Qu'est-ce que vous avez fait pour trouver une cache? Rien. Qu'est-ce que vous avez décidé comme moyens spéciaux à mettre en œuvre pour retrouver les petites filles? Aucun, madame. Aucun. Les zones d'ombre du dossier Dutroux, les questions auxquelles on n'a pas pu ou pas voulu répondre. Moi, j'ai l'impression qu'on a choisi les bonnes personnes, quelque part, pour faire certains travaux, et notamment la perquisition,
Peut-être pour être sûr qu'on ne découvre pas. La figure centrale du premier reportage de ce soir est un homme de 60 ans qui pourrait bien devenir le prochain président des États-Unis. Il s'agit de John Kerry, actuel sénateur du Massachusetts et candidat le plus sérieux à l'investiture démocrate. Alors John Kerry, il y a quelques semaines encore, était considéré comme un loser. On le disait ruiné, distancé, battu même. Et puis, retournement de situation, il est aujourd'hui largement en tête des sondages et il multiplie les victoires aux différentes consultations, pas plus tard qu'hier d'ailleurs, au Wisconsin. Alors bien entendu, avant de s'installer à la Maison-Blanche, il devra encore franchir des étapes, mais, et vous allez le voir dans ce reportage de Philippe Gasseau et Marc Bouvier, John Kerry adopte en toutes circonstances une attitude qu'il veut proche de la prestance d'un président potentiel, y compris dans les moments difficiles, ceux où la campagne perd de la hauteur et où apparaissent les inévitables rumeurs et calomnies. Comme les autres candidats, John Kerry est prêt à tout, ou presque, pour gagner. À la différence peut-être qu'il prend moins de risques. Pour parader devant les caméras, il choisit des rôles flatteurs, comme le hockey, où il excelle, un sport viril et populaire. À la tête de la course à l'investiture démocrate, son camp lui demande de marquer le but décisif contre George Bush. Même s'il n'a pas encore été officiellement désigné pour affronter les républicains, pour l'instant, chez les démocrates, c'est bien lui qui mène l'équipe. John Kerry laisse loin derrière lui les lanceurs de crêpes, Howard Dean, ou Wesley Clark, ses deux concurrents directs, ou le président Bush lui-même, ou encore ce candidat inconnu qui, pour avoir raté l'épreuve, restera dans les oubliettes de l'histoire. Non, décidément, John Kerry la joue plus présidentiable, plus posée. Il faut dire qu'il ne porte pas n'importe quelles initiales. John Forbes Kerry, JFK. Le hasard fait bien les choses. Kennedy, il l'a un jour rencontré sur le yacht présidentiel, et ça, ce n'était pas un hasard. Kerry est encore loin de ressembler à son modèle, mais il vient du même monde. Fin stratège, il a tiré la leçon de la correction reçue par Howard Dean, parti favori et qui s'écrase dans les sondages. Il fustige lui aussi la guerre en Irak, à laquelle il a pourtant souscrit, mais pas trop. Il ménage l'opinion qui doute. Si elle s'est trompée, c'est qu'on l'a trompée, et lui avec, c'est plus adroit. Les moqueries, il les a subies sans broncher. Son accent bostonien, trop chic, trop bien élevé. Son côté distant, son air d'aristocrate fatigué, sorti de Yale, une université prestigieuse. Un sénateur démocrate, mais tendance gauche caviar, faisant partie de l'establishment et qui jusqu'à présent n'a pas beaucoup fait d'étincelles. Si on parle de lui de façon élogieuse, c'est surtout en raison de ses décorations récoltées au Vietnam. Blessé 3 fois, avec 2 sauvetages à son actif. Il avait servi dans les vedettes rapides de la Navy. C'est lui qu'on voit ici en brousse avec son M16. Après la guerre, le héros s'est distingué dans le camp des pacifistes. Il est même appelé à témoigner au Capitole. Comment demandez-vous à un homme d'être le dernier à mourir pour le Vietnam? Comment demandez-vous à un homme de mourir pour une erreur? Les vétérans sont presque tous avec lui. Il considère qu'il a une autre allure en soldat que le président des États-Unis. Sur ce terrain, John Kerry n'hésite pas à dénoncer la mascarade du porte-avions Lincoln avec un président d'opérette. George Bush pense qu'il peut jouer à se déguiser en pilote sur un porte-avions et se tenir devant une banderole où on lit « Mission accomplie ». Mais quelle mission a été accomplie? Est-ce que la mission pour l'Amérique a été accomplie? Est-ce que la mission en Irak était accomplie quand il a mis cette banderole? Quand on voit le chiffre du déficit de notre pays, regardez quelle mission est accomplie. George Bush donne la dimension de ce qui arrive au peuple américain. Le général Clark, le favori de Bill Clinton, le candidat que l'on donnait gagnant au début des primaires, a fini par jeter l'éponge. Il aura fait une campagne propre, sans attaque personnelle, et n'aura gagné qu'en Oklahoma.
Pour que ses efforts ne soient pas vains, il demande à ses supporters de soutenir maintenant John Kerry. À présent, il n'est plus question de provoquer des divisions au sein du Parti démocrate, mais bien de n'avoir que George Bush dans le collimateur. Un seul mot d'ordre, tout sauf Bush. L'abandon de Clark, le militaire, va peser dans la campagne en faveur de Kerry. Mais l'état de grâce sera de courte durée. Déjà, on commence à sortir des dossiers. Sur un site internet, on affiche une photo de Jane Fonda qui manifeste en 1970 contre la guerre au Vietnam. Beaucoup la considèrent comme traître après son voyage à Hanoï dans le camp des ennemis en pleine guerre. John Kerry est là, dans un petit coin flou mais présent, et ça suffit. La photo prétend montrer son vrai visage. Kerry, Fonda, même combat, c'est ce qu'on veut faire croire aujourd'hui. C'est le premier croc en jambe, il y en aura beaucoup d'autres. On parle déjà de relations extra-conjugales à la Clinton. Pour se faire connaître, pour se vendre auprès du public, John Kerry a, comme tous les candidats, préparé des clips télévisés, des pubs qui passent régulièrement et qui ne laissent aucun doute sur ses ambitions. Qui peut battre George Bush et changer l'orientation du pays ? John Kerry. Un leader en matière de sécurité nationale, un vétéran décoré, compétent dans les commissions de renseignement et dans les commissions internationales. John Kerry. Il se bat pour vous, contre la gabegie qui favorise les grandes compagnies et les nantis. Son plan de santé couvre les non-assurés et limite les dépenses. Je suis John Kerry et j'approuve ce message parce qu'il est grand temps de faire ce qui est bien pour l'Amérique. Bien que très réservé, très jaloux de sa vie privée, le candidat Kerry a sorti son atout, son épouse, Teresa Heinz Kerry. Elle est l'héritière des fameux ketchup Heinz et pèserait un bon demi-milliard de dollars. Atypique, elle semble aimer le rôle de femme de candidat. Elle a le sens de la formule et du public, un plus pour un homme qui doit forcer une nature rigide et plutôt froide. Elle lui fait un contrepoids efficace. Dans la mentalité américaine, son immense fortune ne gêne personne. Son mari se défend d'ailleurs d'en profiter à des fins électorales. Sa femme est constamment à ses côtés, ce n'est pas toujours confortable. Elle sait qu'il faut savoir souffrir si on veut être un jour la première dame des États-Unis. Je suis très honorée et heureuse. Maintenant, j'ai une journée libre pour souffler un peu. Puis on repart jeudi matin vers l'ouest. Un autre soutien de poids, les héros du 11 septembre. John Kerry a décroché le prix d'excellence. Il est soutenu par ceux que souhaitent tous les candidats, les sapeurs-pompiers. Ils l'ont choisi comme porte-drapeau. Depuis, toutes ces prestations, toutes ces estrades sont teintées de jaune, la couleur des soldats du feu. John Kerry, familier dans ses jeunes années des vacances en Bretagne, parle un excellent français et il le prouve. Bonjour. Quelles sont vos qualités qui vont faire que vous allez gagner ? Bon, je ne sais pas, c'est les voteurs qui vont décider. Oh, c'est trop long à dire maintenant. Je vous dirai plus tard. Le candidat démocrate la joue modeste. Ce qui lui sourit, c'est le parler vrai, sans effet, sans outrance. On apprécie chez lui un programme simple et ferme. Il se veut efficace, ne ménage pas sa peine. Lorsque les autres candidats, pressés, passent le temps d'une photo, lui considère que la Maison-Blanche vaut bien une messe, même si elle dure 2 heures. Il est venu ici pour convaincre l'électorat noir. Il aura réussi, les fidèles sont conquis. Vous allez voter pour lui ? Oui, bien sûr. Pourquoi ? Il a l'air intègre. Il croit vraiment à ce qu'il vous dit. C'est ce que je sens chez lui. C'est un homme qui a de vraies valeurs. Il est intègre et on peut le croire. Aujourd'hui, en tête du peloton, il faudra au candidat Kerry, pour assurer sa position, convaincre les conservateurs et prendre d'autres voies noires, mais dans le sud cette fois. Ce sera l'épreuve de vérité. Rendez-vous en mars. Pour l'heure, John Kerry veut réunir, fédérer, même à propos de l'Europe, ces derniers temps bien malmenés.
Quand vous serez président, quelles seront les relations entre Washington et Bruxelles? J'espère qu'elles seront sérieuses et plus productives, faites de coopération et de respect. Vous pensez que ce n'est pas le cas aujourd'hui? Je pense que notre politique étrangère, avec ce président, est malheureusement trop unilatérale. Elle n'est pas suffisamment à l'écoute du reste du monde. Nous avons besoin d'avoir une politique étrangère mieux pensée, et nous la ferons. Pour John Kerry, la conquête du pouvoir ne fait que commencer. La route est longue. Le candidat a pris la dimension présidentielle, c'est certain. Des images comme celle-ci, vous ne les verrez plus. Elles ne sont plus de saison et une boule de neige en pleine figure ferait mauvais effet aujourd'hui. John Kerry a pris de la hauteur. Il ne servira plus la soupe car il n'a plus à amadouer la presse. C'est elle qui le sollicite et il s'en sert avec parcimonie. Dans son camp, on craint la petite phrase malheureuse, la gaffe. Autre préoccupation aussi, son état de santé. Il sort tout juste d'un cancer. Tiendra-t-il ce rythme jusqu'en novembre, date de l'élection présidentielle? C'est toute la question. Alors, deux choses à ajouter. D'abord, l'un des candidats que vous avez aperçu dans le reportage, Howard Dean, vient il y a quelques minutes de confirmer qu'il se retirait de la course à l'investiture démocrate. Et puis, à propos de John Kerry, son sort sera scellé le 2 mars, le super mardi, comme on l'appelle déjà, puisque ce jour-là auront lieu des primaires déterminantes dans 10 États, dont ceux de New York et de Californie. Alors nous allons à présent évoquer le dossier du trou. Vous le savez, le procès d'assises commencera dans un peu moins de 15 jours et nous avons prévu, dans Actuel, d'y consacrer une série de 3 reportages. Celui de la semaine prochaine sera un portrait des accusés. La semaine suivante, nous vous proposerons une enquête sur l'enquête. Et ce soir, nous entamons la trilogie avec un document particulier par la forme et le sujet. En effet, il s'agira d'un récapitulatif depuis l'enlèvement de Julie et Mélissa, un historique qui nous est apparu indispensable à l'approche du procès d'Arlon, mais c'est aussi, en même temps, un retour sur les questions auxquelles précisément ce procès ne répondra pas, les zones d'ombre de ce dossier. Un dossier qui, depuis le début, fut traité à de multiples reprises par l'ancienne émission « Faits divers ». José Dessart, Léon Michaud et Robert Ness ont décidé de prendre du recul pour compiler près de 9 ans d'archives et se livrer devant vous à une réflexion sur ces événements. Tout commence le 24 juin 1995 à Grasse-Logne, dans la banlieue liégeoise. Deux fillettes de 8 ans disparaissent, Julie Lejeune et Mélissa Russo, que leurs parents ne cesseront jamais de rechercher avec espoir et dont les visages souriants s'afficheront partout en Belgique comme un défi à l'oubli. La nuit du 22 au 23 août de la même année, deux jeunes filles de 17 et 18 ans, Anne Marshall et Fiona Brex, sont enlevées à la côte belge où elles passaient leurs vacances avec des amis. Le 28 mai 1996, une autre fillette, Sabine Dardenne, 12 ans, est kidnappée à Caen et disparaît sans laisser de traces. Un peu plus de 2 mois plus tard, le 9 août, une jeune adolescente de 14 ans, Laetitia Delay, est victime d'un rapt alors qu'elle sort de la piscine communale de Bertry. Le 13 août, la Belgique découvre un nom et un visage, ceux de Marc Dutroux, 39 ans, bien connu des services de police selon l'expression consacrée, arrêté en compagnie de sa femme Michel Martin et d'un complice Michel Delièvre. Sabine et Laetitia sont retrouvées vivantes et sorties d'une cache aménagée par Dutroux dans une des maisons à Marcinelle. Mais après l'espoir, c'est l'effroi. En suivant les indications de Dutroux, les enquêteurs retrouvent les corps de Julie et Mélissa enfouis dans un jardin à Sarre-la-Bouissière. Cet endroit sert aussi de sépulture à Bernard Weinstein, un complice dont Dutroux s'est débarrassé en l'enterrant vivant. Plus tard, c'est du jardin de ce même Weinstein que seront exhumées les dépouilles d'Anne et Evie.
L'émotion populaire est immense et l'opinion publique bouleversée. Lors des funérailles des jeunes victimes, un sentiment de douleur et de solidarité plane sur la Belgique. À Neuchâtel, le juge Conroth avance et il fait arrêter une dizaine de personnes, parmi lesquelles un soi-disant homme d'affaires au passé peu reluisant, Michel Nioul. Et puis, coup de théâtre. Pour avoir assisté en compagnie du procureur Bourlet à une soirée célébrant la libération de Sabine et Laetitia, le juge Conroth est dessaisi de l'affaire par la Cour de cassation. C'est le fameux arrêt Spaghetti, qui provoque un mouvement de protestation et de révolte parmi la population. Beaucoup de Belges, en effet, ne comprennent pas pourquoi l'instruction échappe, pour un motif apparemment futile, à un magistrat qui a obtenu des résultats. Le 20 octobre 1996, 350 000 personnes défilent dans les rues de Bruxelles sans le moindre incident. C'est la Marche Blanche, manifestation citoyenne qui ébranle les institutions du pays et fait apparaître une évidence. Le fait divers est devenu une affaire d'État. Le pouvoir, et singulièrement le Premier ministre Jean-Luc Dehaene, l'a compris. Il instaure une commission d'enquête parlementaire chargée de faire la lumière sur les manquements de l'enquête et les éventuelles complicités ou protections. Retransmis en direct sur la RTBF, ces travaux révèlent que Dutroux était le suspect numéro 1 depuis juillet 1995 et mettent également à jour une litanie de dysfonctionnements dont personne n'endosse la moindre part de responsabilité. Les parapluies s'ouvrent. Désormais confiée au juge Langlois, l'instruction privilégie la thèse du prédateur isolé et renvoie aux assises d'Arlon, Dutroux, Martin et Lelièvre, auxquels l'opiniâtreté du procureur Bourlet et de certaines parties civiles parvient à faire adjoindre in extremis Michel Nioul. Le procès est fixé au 1er mars 2004. En voyant approcher le procès d'Arlon, nous avons pensé à toutes les émissions mises sur antenne pour faits divers depuis septembre 1995. Nous nous sommes souvenus des heures et des heures passées avec les familles des victimes confrontées à l'insoutenable d'abord, à l'inacceptable ensuite. Des images d'interviews, de tournages et de montages nous sont revenues en mémoire comme une trace parmi les milliers d'autres produites ailleurs et celles qui viendront encore et encore comme un flux incessant. Il eut alors cette envie de s'arrêter et de réfléchir sur le sens de notre travail, sans doute, sur les infortunes de la vérité, probablement. Mais ce que nous voulions surtout, c'était identifier ce qui, malgré le temps passé et la masse de documents désormais publics, continuait à nous poser problème. Les ondes d'ombre, les recoins obscurs où la raison s'égare, là où ne pas savoir, nous en sommes sûrs, ajoute à la douleur. Voilà pourquoi nous étions ce jour-là dans un petit village des Ardennes, loin de l'agitation du bureau, sans téléphone, libre de consulter les archives ou nos souvenirs, et de réfléchir tout haut en ne gênant personne. Les ombres, donc, jusqu'à ce jour, et depuis le début, depuis ce 24 juin 1995, lorsque, à Grasse-Logne, deux petites filles de 8 ans, parties se promener, ne rentrent pas. Donc Julie et Mélissa étaient dans le jardin en train de jouer. Vers 5 heures, elles sont rentrées du jardin. Et elles m'ont demandé pour aller faire une petite balade. Mais j'avais refusé une première fois parce que je me disais qu'elles pouvaient rester ici dans le jardin, quoi. Et puis, comme elles ont insisté, finalement, j'ai fléchi et je leur ai dit oui, d'accord. Et Mélissa m'a dit qu'elle allait à l'endroit finalement habituel pour elle, au-dessus du pont de l'autoroute. Julie, c'était la première fois qu'elle accompagnait ma fille pour faire ce trajet. J'ai demandé à Julie de remettre sa montre qu'elle avait déposée ici pour surveiller l'heure, pour être rentrée vers 5h30, en tout cas au plus tard 6h. Je suis arrivée ici vers 18h. Madame Russo était sur sa pelouse, elle déposait son vélo. Elle vient à ma rencontre et m'explique qu'elle a déjà fait trois fois le tour pour chercher après Julie et Mélissa, à qui elle avait permis de faire une petite promenade d'une demi-heure, qu'elle était déjà donc inquiète du fait que pendant ces trois tours, elle ne les avait pas trouvées. Alors nous avons décidé de
poursuivre les recherches nous-mêmes en voiture à ce moment-là. Et donc nous avons fait le chemin qu'elles auraient dû parcourir, ainsi que d'autres rues aux alentours. Mais l'inquiétude, elle monte, elle grandit au fur et à mesure que les minutes passent. Elle grandit tellement fort qu'on n'hésite pas très longtemps avant de téléphoner au 101, qui nous indique le numéro de la gendarmerie de Stray. Il n'est encore que 7h moins quart à ce moment-là. Donc les enfants ont 3/4 d'heure de retard. Mais nous sommes déjà fortement inquiètes, quoi. La première zone d'ombre, hein. Oui. C'est-à-dire qu'on ne sait toujours pas avec certitude qui a enlevé Julie et Mélissa. Et faute d'exploitation normale des témoignages, on ne peut se baser que sur les déclarations des inculpés eux-mêmes. C'est-à-dire, Dutroux dit un jour, j'ai vu Julie et Mélissa chez moi. Et le livre m'a dit qu'il les avait enlevés avec Weinstein. Le problème, c'est qu'en fait, il y a une vingtaine de témoins qui ont vu quelque chose ce jour-là, vers ce moment-là. Et qu'on n'a jamais exploité d'une façon approfondie tous ces témoignages. Et même à la reconstitution qui s'est faite, 5 ans après, on a utilisé que les témoignages de 4 personnes. Alors il y a quelqu'un qui a vu un homme sortant des fourrés à la hauteur du pont. Et on en a même fait un portrait robot, mais jamais cet homme ne s'est manifesté. On n'a jamais été plus loin. Il y a 8 témoins qui ont vu des agissements suspects à bord d'une Fiesta rouge dans les environs de Grasse-Vologne. Et le jour même, le 24 juin 1995, à quelques kilomètres de Grasse-Vologne, à Ougré, 2 petites filles ont été inquiétées par une tentative d'enlèvement de la part d'un homme qui sortait d'une Fiesta rouge. On sait, ça c'est indubitable, que le Lièvre conduisait une Fiesta rouge. Et on sait aussi que par après, cette voiture a été conduite par le Lièvre chez un ferrailleur de la région de Sambreville, qui s'appelle Tagliaferro, pour être complètement démoli. Enfin, la conclusion de tout ça, tout de même, c'est que cette zone d'ombre qui est qui enlevait Julie et Mélissa, comment, ne parlant même pas du pourquoi, on a rencontré très souvent les parents, c'est cette zone d'ombre-là qui pèse sur tout le reste, pour eux. Et puis aussi, je trouve, ce qu'il faudrait souligner, c'est que très souvent, on n'a que les déclarations des accusés qui, évidemment, peuvent mentir, peuvent se contredire. C'est toujours la même question. Quoi qu'il en soit, les petites ont fini par arriver ici, dans la maison de Dutroux, à Marcinelle, près de Charleroi. Et 15 jours plus tard, c'est d'ailleurs de la gendarmerie de Charleroi que partiront les premières informations concernant Dutroux. Le 7 juillet déjà, la gendarmerie à Charleroi pointe un suspect qui a le profil idéal du type capable d'enlever deux fillettes. Et c'est Marc Dutroux. Ah oui, le premier document qui montre que la gendarmerie connaissait Marc Dutroux, c'est un fax qui a été envoyé de la brigade de Charleroi à la brigade de Grasse-Vologne, signalant qu'il existait à Charleroi quelqu'un qui avait d'abord un passé judiciaire assez lourd, condamnation pour viol sur des enfants et qu'il enlevait avec son épouse, qu'il est propriétaire de plusieurs voitures et camions, qu'il a 5 maisons, et aussi qu'un informateur à propos de lui disait déjà en 93 qu'il aménageait ses caves en vue d'y loger les enfants pour être expédié à l'étranger. Ça, c'est cet informateur-là que vous avez rencontré, c'était en 93. En 97, et alors il nous explique ce qu'étaient ses contacts avec Dutroux en 1993, où Dutroux lui a parlé carrément d'enlever une petite fille qu'il voyait là. Ça se passait à Yves Gomzé lors d'une foire. C'est-à-dire qu'on est arrivé là-bas et il fallait payer une entrée. Lui, payer, ça ne l'intéressait pas. Alors je lui dis, maintenant moi je suis là, je vais boire un verre. Et alors pour finir, il a quand même payé, on est rentré. Et alors, en revenant, pour remonter dans la voiture, il a vu les deux filles qui s'étaient amusées un peu. Ils avaient bu un verre et elles titubaient là. Et il me dit, je vais te montrer comment il faut faire. D'abord, il me dit, ça t'intéresse de gagner 150 000 francs? Je dis, en faisant quoi? Et il me dit, on va enlever les deux gamines qui sont là. Et alors, je lui dis, moi, je fais pas ça, moi. Alors, il me dit, si, je vais te montrer comment il faut faire. Et alors, là, il m'a montré, il faut les prendre par le cou, mettre la main sur la bouche, les tirer dans la voiture, les sécurités enfants sont faites, elles ne savent pas sortir. Et au besoin, s'il faut, les assommer. Moi, je dis, je ne fais pas ça. Alors, il m'a dit, bon, ça va, t'es un couillon, et c'est là. Je dis, ben, peut-être bien, mais ça, je ne le fais pas. Et alors, on est parti. Mais moi, tout de suite, j'ai contacté le gendarme Pétens, qui n'était pas là. Et le lendemain matin, Pétens et Lyon sont venus chez moi. Ils m'ont demandé
d'aller montrer où il avait voulu faire ça. Et j'ai été avec eux sur place, leur montrer en cas où Dutroux, m'ayant déposé, serait retourné là-bas pour quand même enlever les gamines. Moi, je devais jouer sur deux tableaux. Il fallait en même temps que j'aie sa confiance, que je lui donne confiance, le mettre en confiance, pour que lui parle. Parce que Dutroux, on dit qu'il était fort intelligent. C'est vrai, pour faire ce qu'il a fait, il fallait être, enfin, faut pas être fort intelligent. C'est... Moi, je dis que c'est la justice de Charleroi qui a déconné. Mais en fait, il n'était pas intelligent parce qu'il se vantait de ce qu'il faisait. Quand il faisait un casse, tout le monde était au courant. Mais à Charleroi, personne n'osait rien dire. Parce que, on connaissait Dutroux, il était réputé comme un violent ici et là. Le 20 juin, Dutroux vient chez moi à Vieilleville. Et j'étais en compagnie de mes enfants et de ma petite amie de l'époque. Et alors là, il m'a dit, tu peux venir dehors. Et j'ai dit oui. Et là, il m'a dit, bientôt, j'aurai un bon coup à te proposer qui va te rapporter beaucoup. Et là, j'ai dit, ouais, mais tu sais. Et alors là, il m'a dit, je te dirai quoi, maman voulu. Et alors, le 24 juin, là, il y a eu l'enlèvement des gamines. Mais moi, j'avais déjà prévenu les gendarmes en leur disant, écoute, il prépare quelque chose, il va faire quelque chose. Dès avant le 24 juin. Ah oui, déjà avant. Hein. Moi, je les avais prévenus avant. Hein. Je vous dis, le jour même, le 20 juin, je les avais prévenus comme quoi il était venu chez moi en me disant ça. Et les gendarmes, c'est toujours Pétens et Bouvy. Pétens et Bouvy à ce moment-là. Et alors, après, eux m'ont donné un rendez-vous à l'écluse de Vieilleville. Là, il y avait Pétens Bouvy, assis dans la voiture. Et moi, je suis arrivé, et alors je suis monté derrière. Donc ça, il y avait déjà eu l'enlèvement de Julie et Mélissa, hein, à ce moment-là. Mm-hmm. Et alors, je lui dis, mais t'es sûr que c'est pas Dutroux? Et lui m'a dit, à 99%, on est presque sûr que c'est lui. Mais il nous faut un élément. Et je lui dis, mais les éléments. Et c'est comme ça qu'est sortie la fameuse fable que la commission a racontée. C'est moi qui l'ai dit, j'ai dit à Pétens, je vous l'ai mis sur un plateau d'argent, vous n'en avez pas voulu. Et là, Pétens m'a répondu textuellement, et je vous le répète comme il me l'a dit, nous, on signifie, mais ce n'est pas nous qui décidons si on arrête ou si on met en liberté. Nous n'avons toujours aucune nouvelle de nos deux petites filles, Julie et Mélissa. Depuis bientôt 2 semaines, nous vivons dans l'attente et dans l'angoisse. Nous ne pouvons plus supporter cette attente. Qui que vous soyez, où que vous soyez, nous vous supplions de nous rendre nos enfants. Apportez-nous, je vous en prie, la preuve qu'elles sont en vie et qu'elles vont bien. Il y a eu des appels des parents à la télévision. Oui, oui. Mais moi, si vous voulez, moi j'ai revu après Pétens. Et je lui ai dit, moi je vais téléphoner aux parents. Et lui, Pétens m'a répondu comme ça, ça ne sert à rien et ne le fais pas parce que tu vas nuire à l'enquête. Claude Thiraud donne donc l'information sur Dutroux au gendarme Pétens, qui lui transmet au chef Michaud, qui faxe à la gendarmerie de Grasse-Logne-Serein à l'adjudant Jean Lesage. D'ailleurs, un échange de fax de plus en plus précis sur Dutroux s'en suivra pendant tout l'été. La juge d'Outreuil ne sera jamais tenue au courant, contrairement au BCR, c'est-à-dire à l'état-major de la gendarmerie, à Bruxelles. Alors, il y a quand même un truc qui me chiffonne, c'est que pendant plusieurs semaines, à partir du 7 juillet, Dutroux est le suspect numéro 1. Mais ça veut dire quoi être suspect pour la gendarmerie? Puisqu'on a l'impression qu'il va circuler partout, il va où il veut, il fait ce qu'il veut. Et puis bon, à tel point que la nuit du 22 au 23 août 1995, il va enlever deux jeunes filles à Blankenberg. Oui, là, il faudrait peut-être faire un petit topo sur la situation. Oui, Anne Marshall et Fjellambrecht, c'étaient deux amies. Elles avaient à peu près le même âge, 17 et 18 ans. Cet été-là, elles passaient leurs vacances avec une bande de copains dans un chalet sur la côte belge à Westend. C'est la première fois qu'elles partaient en vacances sans leurs parents. Le 12 août, Anne Marshall téléphone à son père. Cette dernière après-midi, elle m'a téléphoné pour demander comment préparer un repas, parce que c'était Anne et Yves qui devaient préparer le repas pour le jour après. Et j'ai demandé comment ça fait là-bas. Et à ce moment aussi, elle m'a fait dire, je n'ai pas beaucoup de temps, ça coûte beaucoup pour téléphoner jusqu'à la maison, donc ça va très bien, je suis très content d'avoir une vacance comme ça. Le soir, Anne et Fieu se rendent à Blankenberg pour assister au spectacle d'un hypnotiseur. Elles y participent même sur la scène. Ce sont les dernières images que l'on ait d'elles. Okay.
À la sortie du spectacle, Anne et Effieux vont prendre le tram pour rentrer à Ostend, mais elles ont oublié que c'est le dernier tram de la journée. Il s'arrête à Ostend, c'est le terminus. Anne et Effieux descendent et là, leur trace se perd dans la nuit. On sait aujourd'hui, puisqu'ils ont avoué que Dutroux et le Lièvre ont enlevé les deux jeunes filles, elles faisaient du stop, dira Dutroux, mais on n'est pas obligé de le croire. Oui, bon, Blankenberg, donc là on est sorti, disons, des pérégrinations habituelles et locales de Dutroux, qui est un monsieur qui circule beaucoup. Et je pense, José, que vous avez eu des informations selon lesquelles c'est pas tout à fait un hasard que Dutroux soit à Blankenberg. Oui, un témoin d'y avoir vu vers 23h du même jour deux jeunes filles en compagnie de Dutroux dans un bar de Blankenberg proche du casino. Quand on gratte un peu, on s'aperçoit que le patron de ce bar, impliqué dans la traite des êtres humains, était déjà venu à Sarre-la-Bouissière, au café L'Embuscade, voisin d'une des maisons de Dutroux, où il offrait de l'argent pour qu'il lui ramènerait des filles. Mais cette piste n'a jamais été explorée jusqu'au bout. De toute façon, on le sait, d'après les déclarations de Dutroux, le matin du 23 août 1995, Anne et Effieux ont été transportées, endormies, au premier étage de la maison de Marcinelle, où Dutroux les a toutes deux enchaînées au montant du lit. Et donc, c'est deux jours après l'enlèvement de Anne et Effieux que l'opération Othello officiellement démarre. Exactement, oui, oui. Et ça, c'est une opération qui met en jeu la hiérarchie supérieure, c'est-à-dire le commandant de district, qui est remplacé à ce moment-là par le commandant Le Gros, qui signe un document pour ouvrir une opération de surveillance spéciale sur Dutroux. Et ce document s'appelle Opération Othello, et on voit qu'il est approuvé par le parquet de Charleroi, en la personne ici de Madame Robert. Procureur du roi. Et il faut savoir que tous les documents qui vont être stipulés Othello seront transmis immédiatement à l'organe central de renseignement de la gendarmerie à Bruxelles, qui dépend directement de l'état-major, donc ce qu'on appelle le BCR. Est-ce qu'ils sont transmis ailleurs ? Ben non, justement, ce seraient des renseignements extrêmement utiles pour l'instruction de Madame Doutrève à Liège, et rien ne passe, ou en tout cas, ça passe d'une façon tout à fait évasive. On peut se poser quand même des questions. Mais l'opération Othello, moi, ça m'a toujours paru étant un nom ronflant. Alors, quand on pense à l'opération Othello menée par la gendarmerie avec l'accord des plus hautes instances de la gendarmerie, on pense au cinéma. Hein. On voit une surveillance 24 heures sur 24 d'une maison de Dutroux avec des types planqués dans des camionnettes avec des vitres sans teint, des photos qui sont prises jour et nuit, l'infrarouge. Enfin, c'est ça l'opération Othello. Non, en fait, ça fait un peu bricolage parce que il y a une surveillance de Dutroux quelques heures par mois entre le mois d'août, le mois de septembre et le mois d'octobre, deux jours chaque mois. Et ils observent le jour alors que tout le monde signale que Dutroux, lui, agit la nuit. Alors, qu'est-ce qu'a pu faire Dutroux pendant cette surveillance spéciale? Ben, c'est assez faramineux. Il a pu maintenir dans sa maison de Marcinelle quatre filles, Julie Mélissa à la cave et Anne et Effieux enchaînées sur les lits du premier étage. Donc ça, c'est une certitude qu'à un moment donné, elles sont toutes les quatre ensemble dans la même maison. Pendant qu'il est soi-disant surveillé et qu'il peut transporter Anne et Effieux à Jumet chez Weinstein, maison déjà repérée par l'opération de surveillance, où elles seront probablement mises à mort, et en tout cas, c'est là qu'on les retrouve enterrées un an plus tard. De louer un hangar près de chez Weinstein et de racheter à un certain pays non, tout le contenu, principalement des pièces volées et recelées, de voler un camion avec des complices et de le remiser dans ce hangar qu'il loue à Pinon, et ça n'a pas empêché ce camion de disparaître, de régler des comptes avec deux complices croyant que c'était eux qui avaient revolé le camion, en tirant sur eux, en les endormant avec des somnifères, en les enchaînant chez Weinstein, toujours dans sa maison, de se rendre chez un certain Newell à Bruxelles en compagnie de Le Lièvre et de Weinstein pour demander de faux papiers afin de permettre à Weinstein de fuir à l'étranger, de séquestrer Weinstein, de l'enfermer dans la cache de la cave, selon les dires de Dutroux, de l'affamer, de l'endormir, de le transporter à Sarre-la-Bouissière où il l'enterre vivant dans son jardin, d'être le suspect principal d'un viol et d'une tentative d'assassinat commis à Aubé au nord de Charleroi, à l'insu cette surveillance spéciale. Mais dans tout ce que vous avez cité, il y a la circulation vivante, imagine-t-on, d'Anne et Effieux qui sont dans cette maison.
Effectivement, en fait, sur la séquestration de Anne et Fieu, on sait relativement peu de choses. Elles ont été détenues pendant environ un mois chez Dutroux, parce que là, Dutroux est en aveu, et il y a même d'ailleurs des aveux stupéfiants de Dutroux sur la question, parce que le fait d'avoir Anne et Fieu en plus de Julie et Mélissa lui posait ce qu'il appellera plus tard des problèmes d'organisation. Et dans un PV d'audition, il dit textuellement ceci: j'avais de gros problèmes d'organisation, j'avais les petites en bas, Julie et Mélissa, et les grandes en haut, Anne et Fieu. Elles ne devaient jamais se rencontrer. Je disais aux petites que le chef dormait en haut et qu'elles ne devaient pas faire de bruit. En effet, je continuais à les amener au rez-de-chaussée pour prendre le repas avec moi, aller à la toilette. Cette organisation ne me laissait pratiquement aucun temps libre. C'était vraiment de l'équilibrisme. Ça, c'est la situation telle que Dutroux l'a décrit lui-même à Marcinelle, alors qu'il a deux jeunes filles et deux petites filles détenues dans sa maison. Et la gendarmerie sur le trottoir. La gendarmerie qui, en principe, observe, puisque nous sommes en pleine opération Antello, il faut le rappeler. Puis alors, à un moment, Anne et Fieu ont été transportées chez Weinstein. Ça, on en est sûr, puisque, hélas, c'est dans le jardin de la maison de Weinstein, à Jumet, que l'on va retrouver leur corps. Elles ont été mises à mort dans des conditions d'ailleurs qui sont terribles, parce que on peut penser peut-être qu'elles ont été endormies par de puissants sédatifs et qu'elles ont été enterrées vivantes. Et alors pourquoi les mettons à mort un mois après les avoir enlevées? Ça, c'est aussi une question à laquelle on n'a pas vraiment de réponse, sauf peut-être des propos de Lelièvre qui, dans les premiers jours après son arrestation, Lelièvre parle des enlèvements, et il dit que Marc Dutroux m'a toujours dit qu'il enlevait les filles pour des gens qui lui passaient commande. Et puis, il précise que lorsque, à propos de Anne et Fieu, lorsqu'il a vu quelques semaines après les avoir enlevées avec Dutroux qu'elles étaient toujours là, il a demandé à Dutroux ce qui se passait, et Dutroux lui aurait alors répondu qu'il avait eu une commande, mais que les gens qui avaient passé cette commande étaient venus les voir et qu'elle ne les intéressait pas. C'est peut-être là l'explication de ce double crime, c'est que ceux qui ont passé commande ne voulaient pas de ces deux filles et elles encombraient Dutroux. On l'a dit, il avait des problèmes d'organisation. Oui, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que, rappeler en tout cas, c'est qu'ici, il ne s'agit pas du tout de pédophilie. Ah non, là, nous sommes avec des jeunes femmes. Majeure, l'autre va pratiquement l'être, donc elles sont enlevées deux par deux à chaque fois, deux petites de 8 ans, deux jeunes femmes, et puis plus tard, deux adolescents. Oui, et en septembre 95, d'ailleurs, personne n'a fait le lien entre la disparition de Anne et Fieu et celle des deux petites Julie et Mélissa. Et nous-mêmes, à Fait divers, lorsque nous avons préparé la première grande émission sur les disparitions, c'était le 13 septembre 95, nous n'avions invité que les parents des deux petites filles, tenus comme les deux autres familles, bien sûr, à l'écart de l'instruction et de toute information. Mais au fur et à mesure que ça avance, bon, nous, on remarque des lacunes. On n'a pas des réponses à des questions, et puis la digestion du secret d'instruction qui est dépassé pour notre cas. Il est inadapté à des parents qui sont, je reprends le mot désarroi, mais je crois qu'il n'y a pas de qualificatif dans notre cas. On a besoin de réponses, on a besoin de participer. Nous autres, c'est nos filles, c'est pas les filles à l'État, c'est pas les filles de l'instruction, c'est nos filles. Est-ce que tout le monde ici, je m'adresse ici aux téléspectateurs aussi, tout le monde, a encore bien conscience qu'à l'heure actuelle, au moment où nous parlons, nos petites filles sont peut-être en train de souffrir. Il est peut-être en train de leur arriver quelque chose, ou il leur est peut-être déjà arrivé quelque chose. Alors, est-ce qu'on ne sait pas aller un peu plus vite dans les discussions, par pitié? Alors il y a quand même quelque chose qui est assez stupéfiant, parce que on a parlé de guerre des polices. Hein. On a dit la gendarmerie a tout gardé par devers elle parce qu'elle voulait triompher seule. La question alors qu'on peut se poser, c'est ben, ils avaient tous les éléments, ils avaient écarté tout le monde, ils avaient du trou, ils avaient tout ce qu'il fallait pour intervenir et s'en sortir avec toute la gloire. Pourquoi est-ce qu'ils ne rentrent pas chez Dutroux? Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas chercher les gamines? Est-ce qu'une des raisons qui expliquerait cela, c'est qu'ils ont une hypothèse? Il s'agit de réseau, et lorsqu'il s'agit de réseau, il faut être très prudent pour coincer tout le réseau et pas seulement les comparses, ne pas mettre la vie de l'une en danger par rapport à l'autre. Ce sont des déclarations qui ont été faites aux parents, ça, à l'automne 95 déjà, par un enquêteur, hein, Valère Martin, où il est bien question de réseau. Valère Martin, un soir, nous a expliqué qu'ils avaient repéré une des fillettes.
sans pouvoir nous dire qui c'était. Hein. Il ne voulait pas, devant les mamans, il ne voulait pas dire qui ils avaient repéré. Et que notamment, ils avaient aussi repéré le prédateur qui se fait payer, disait-il, 150 000 francs pour enlever les enfants. Il vous disait ça, prédateur et 150 000 francs. Prédateur, 150 000, ce sont des notions qu'on a eues en fin 95, hein, enfin octobre, novembre. 150 000, c'est un chiffre qu'on connaissait depuis ce moment-là, hein, qui ne nous a pas étonnés plus tard. Et que ce prédateur étant qualifié de A dans l'enquête, il fallait remonter vers les B, les C, pour redescendre sur le A, pour attraper toute la filière, tout le réseau, en fait. L'instant est intense, hein, parce que on essaie évidemment de savoir qui ils ont repéré. Hein. Et finalement, on a une réponse. On a une réponse et on se rend compte que c'est Mélissa, hein, qu'ils ont repéré. Mais que si ils vont la chercher d'emblée comme ça, c'est condamner l'autre. Ils ont une demi-heure pour retrouver Julie. C'est condamner Julie. Sinon, elle est morte. Donc, ils ne vont pas chercher Mélissa, parce qu'ils ne savent pas où est Julie. Ils peuvent aller chercher Mélissa, mais s'ils vont chercher Mélissa comme ils ne savent pas où est Julie, ben Julie, elle est condamnée. Ça, c'est ce qu'ils nous disent. Donc, c'est dit dans ces termes-là, à peu près. Oui, oui. C'est dit, ouais. Mais ce qui veut dire que Julie et Mélissa ne sont pas au même endroit en même temps. Donc, Julie et Mélissa sont bel et bien là, sont bel et bien vivantes et sont bel et bien séparées. En tout cas, à ce moment-là. Pardon, on ne vous dit pas où. Non. Ni la région, rien. Non, mais on nous dit préparer les champagnes quand elles seront là pour Noël. Il a dit à d'autres personnes de la famille cette histoire. Hein, il a créé l'espoir comme ça. Je ne lui en veux pas d'avoir créé l'espoir. Hein, mais je lui en veux, après en commission, d'avoir ravalé toutes ces paroles. De nier avoir dit ces choses-là. Monsieur Martin, vous étiez tonton Valère pour la famille de Julie et Mélissa. Oui. Et je ne sais pas si vous vous souvenez du mois de novembre, mais vers le 5 novembre, vous avez dit aux parents, en tout cas à monsieur et madame Rousseau, vous leur avez dit, ça avance bien, on progresse et vous aurez les enfants pour la Noël. On a déjà le A, mais si on veut avoir le B, il faut un peu de patience encore, mais on va y arriver. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir dit cela? Vous savez, on les voyait pratiquement, je dis tous les jours, mais si j'ai dit ça, je pense que je n'étais pas seul, puisque à un certain moment, je faisais équipe très souvent avec M. Dubon, nous partions ensemble chez les parents, et lorsque c'était quelque chose d'urgent qu'il nous communiquait, on revenait au bureau pour le communiquer à l'adjudant le sage. Si on avait eu, à ce moment-là, un semblant de piste, je pense que il y aurait eu une demande, soit de perquisition quelque part, où on aurait tout axé sur cette piste-là. Dire de A à B, ben, je n'ai pas souvenance. C'est un gendarme qui était au courant, comme les autres, de ce qui se passait à Charleroi à ce moment-là, évidemment, de l'opération Othello. Et donc, je pense qu'à un certain moment, ça devait peut-être être un peu trop lourd dans ses contacts au quotidien avec les parents de Julie et Mélissa, de tout garder pour lui. Mmh. Bien évidemment, ce contact étroit et sans doute la perception par son supérieur hiérarchique, c'est-à-dire Monsieur le Sage, du fait qu'il avait des problèmes de conscience par rapport à un certain nombre d'informations qui étaient tues vis-à-vis des parents. Ça a fort énervé Monsieur Le Sage, qui lui a fait un jour une note de remarque, ça s'appelait comme ça dans l'ex-gendarmerie, note de remarque dans laquelle il le menace de sanctions s'il continue à voir seul les parents de Julie et Mélissa. Donc il dit notamment à Valère Martin,
Je vous demande donc de garder le contact avec les familles Russo et de John, mais de ne plus vous y rendre seul. Et alors il conclut, je vous rappelle également qu'aucun renseignement de quelque nature que ce soit, nouvelle information, vérification effectuée, déroulement de l'enquête, ne peut être communiqué aux parents, même par humanité. Et au moment où le gendarme Le Sage écrit cette note de remarque à Valère Martin, bien évidemment, il est au courant de tout ce qui s'est fait à Charleroi sur Dutroux. Donc la traduction de ça, c'est attention, surtout ne pas parler de Dutroux aux parents de Julie Mélissa. En fait, à partir du mois de novembre, décembre, janvier, manifestement, la famille cherchait, au travers des différents services de police et même au travers de la gendarmerie en général ou des enquêteurs, à obtenir des informations sur le dossier judiciaire en cours. Des informations judiciaires que nous ne pouvions pas donner aux parents. Nous sommes tenus par le secret de l'instruction. Est-ce qu'il y a dans les PV ou dans le dossier quelque chose qui laisserait croire effectivement que la gendarmerie essaye de pénétrer un réseau et que c'est pour ça qu'elle n'intervient pas? Non, l'état du dossier ne permet pas du tout de dire quoi que ce soit à ce niveau-là. Ce qu'il y a, c'est que on constate plutôt que cette opération Othello autour de Dutroux consiste, en tout cas, à comme effet, d'écarter tous les autres services de police autour de Dutroux, puisque il est suspect d'un viol commis à Aubé et que le principal enquêteur sur ce viol sait que Dutroux est suspect numéro un, mais il dit « je ne veux pas perquisitionner chez Dutroux pour ne pas gêner l'opération de surveillance » qui avait pour but de trouver un moyen de perquisitionner chez Dutroux. Donc ça tourne en rond. Là, on ne voit pas très bien quel est l'effet ou le but de cette opération, si ce n'est de faire une espèce de cordon de sécurité, de zone dans laquelle les autres services ne peuvent pas entrer. Alors, Dutroux donc est arrêté le 6 décembre 1995, à sa surprise, hein. Il faut bien l'avouer. Il est arrêté pour une histoire de vol de camion. Mais pas du tout pour les séquestrations d'enfants. Strictement rien à voir avec les... Bon. Qui l'arrête d'abord? C'est la police communale. De Charleroi. La gendarmerie. Alors les gendarmes, qui étaient chargés de le surveiller dans le cadre des raptes d'enfants, apprennent son arrestation quasiment par hasard parce qu'un de leurs collègues a consulté la liste des prisonniers de la prison de Jamiou et il a vu que Dutroux y figurait. Sinon, ils auraient surveillé une maison vide. Ils auraient surveillé une maison vide. Bien. Non, peut-être pas vide. Peut-être tragiquement pas. Tragiquement, peut-être pas vide. Alors, si sur le vol de camion, on peut résumer? Alors, ce vol de camion, il a lieu en quelques semaines avant, en septembre 95. Dutroux, avec plusieurs complices, vole un camion, un gros camion, un camion qui vaut très cher. Et ils vont cacher dans un hangar que Dutroux loue à un ferrailleur du coin, un certain Gérard Pinon. Ce que Dutroux ignore, c'est que ce Gérard Pinon est un informateur de la police judiciaire. Et dès qu'il voit qu'il y a un camion volé dans son hangar, qu'est-ce qu'il fait? Il téléphone à son contact à la PJ, qui est un inspecteur, qui s'appelle Georges Zico, et il lui signale qu'il y a un camion volé dans son hangar. Alors cet inspecteur Zico s'amène, et là il se produit quelque chose d'un peu curieux, c'est-à-dire qu'au lieu d'arrêter Dutroux, de l'interpeller, il sort le camion du hangar, il le met sur la voie publique, il appelle l'assurance, qui, très heureuse de récupérer le camion, versera, semble-t-il, une prime, et puis l'affaire en reste là. Alors que l'inspecteur Zico connaît le nom de ceux qui ont volé le camion, il ne les dénonce pas et on ne les poursuit pas. Mais l'affaire ne s'arrête pas là, c'est que Dutroux, lui, pense que ce sont ses complices qui l'ont doublé. Et alors il va essayer de leur faire le coup qu'il fera à Weinstein un peu plus tard, c'est-à-dire qu'il va tenter de les séquestrer après les avoir endormis avec du rohypnol, et puis ça ne marche pas, il y en a un qui s'échappe, enfin peu importe, ils finissent par une fille, une compagne d'un des complices qui s'échappe, enfin ils finissent par déposer plainte, et c'est cette affaire pour laquelle finalement Dutroux est interrogé par la police communale de Charleroi, alors qu'il croit lui, entre-temps, que tout ça c'est assez et qu'il n'aura pas d'ennui. Il est convoqué et il ne vient qu'un mois après la convocation. Voilà Dutroux arrêté. Alors là, ils le tiennent. Il est devant eux. Il va rester 106 jours en prison, exactement. Ils le cuisinent.
Non. Ben non. Sur la séquestration des fillettes. Je vous pose la question parce que la réponse est ahurissante. Non, la réponse est ahurissante. Effectivement, il va être interrogé sur les vols de camions, des choses comme ça, mais jamais sur les rapts d'enfants et les séquestrations dont il est soupçonné depuis des mois. Ce qu'il faudra faire comprendre ensuite, c'est que les perquisitions dont on parle depuis le début, c'est-à-dire cette envie qu'a la gendarmerie d'entrer dans la maison, dans les maisons de Dutroux, ces perquisitions, finalement, après l'arrestation de Dutroux, vont enfin avoir lieu. Donc si je comprends bien, si je me souviens bien, il y en a deux, au mois de décembre 95. Le 13 et le 19. Le 13 et le 19. C'est Michaud, maréchal des logis Michaud, qui les mène. Comment ça se passe, ces perquisitions? Il y a déjà une chose qui est curieuse, c'est qu'au départ, les perquisitions ont lieu officiellement pour les vols de camions. Déjà. Mais officieusement, et les gendarmes qui font les perquisitions le savent tous très bien, c'est les caches. Ce sont bien les caches et éventuellement les enfants qui se trouvent dedans que l'on cherche. N'oublions mais pas puisque... qu'à ce moment-là, peut-être Julie et Mélissa sont dans la cache. Hein. C'est la question qui va hanter évidemment toute cette période de l'histoire, de l'affaire Dutroux, si on veut. Alors, comme officiellement on cherche autre chose, ben, on ne va pas venir avec un chien pisteur, on ne vient pas avec des caméras infrarouges, on n'amène pas Dutroux sur place pendant les perquisitions. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, on ne trouve rien. On va saisir des choses, on en reparlera, mais on ne trouve rien du point de vue des caches, on ne la voit pas, la cache. Il y aura cet épisode qui a bouleversé la Belgique, l'épisode des voix d'enfants entendues par Michaud. Ça, c'est très curieux parce que le 13 décembre, quand Michaud va à Marcinelle, il rédige après un PV, comme les gendarmes le font toujours, et il ne signale pas l'existence de ces voix d'enfants. Un an plus tard, il rédige un nouveau PV sur ses perquisitions du 13 décembre 1995, et là, il raconte tout que dans la cave, il avait entendu des voix ou des murmures d'enfants, et le serrurier qui l'accompagnait confirme. Et puis, on connaît l'histoire, alors Michaud demande à ses collègues de Ster, parce qu'il veut localiser les voix. Du coup, tout le monde se tait, y compris peut-être Julie et Mélissa, qui peut-être étaient dans la cave à ce moment-là. Peut-être. Alors, il dit tout de suite aussi qu'il pense à ce moment-là que c'était des voix d'enfants dans la rue. Oui, ils n'ont pas pu les localiser, ils n'ont pas pu les localiser. Oui, puisqu'il n'a pas découvert la cache, ce qui fait aussi un dialogue assez dramatique dans la commission d'enquête parlementaire entre une députée, Mme Herzé, et Michaud, sur le thème « Comment trouve-t-on des caches qui sont cachées ?» Monsieur Michaud, vous saviez ce que vous cherchiez. Vous cherchiez en tout cas des caches pour mettre des personnes ou des petites filles. Et vous alors qu'est-ce que vous avez fait? Et en 2 heures de temps, vous estimez qu'on peut trouver une cache qui n'est pas normalement visible, sinon ce n'est pas une cache. Donc qu'est-ce que vous cherchiez et qu'est-ce que vous avez fait exactement dans cette perquisition? Qu'est-ce que vous avez fait pour trouver une cache non apparente, bien entendu? Oui, bien entendu, mais on ne savait pas, dans un premier temps, où ces caches pouvaient être... effectué. Monsieur Michaud, vous avez quand même bien dit à Monsieur Laurent, il ne le confirme pas, mais vous l'avez dit, que vous cherchiez un lien direct avec Julie et Mélissa. On est bien d'accord. Donc vous cherchiez deux petites filles. Exact. Et vous trouvez qu'en 2 heures de temps, vous avez fait ce qu'il fallait faire pour trouver deux petites filles vivantes. Qu'est-ce que vous avez fait pour trouver une cache? Mais il n'y a rien de concret qui me permette de dire qu'il y a une cache à Marcinelle, étant donné que je ne découvre rien, pouvant laisser supposer qu'il y a une cache, je me répète. Qu'avez-vous fait pour découvrir une cache? Une perquisition. Mais quoi, monsieur Michaud? Qu'est-ce que vous avez fait dans cette perquisition? La fouille complète des lieux, des meubles, des vêtements, de la totalité de. Mais monsieur Michaud, on ne cache pas quelqu'un dans des vêtements, on ne cache pas quelqu'un comme ça. Une cache, c'est quelque chose de non visible. Qu'est-ce que vous avez fait pour découvrir une cache qui pouvait contenir soit des personnes, soit cachées des petites filles? Je voudrais bien que vous répondiez quand même clairement à cette question-là. Je sais, mais à ce moment, je ne m'attends pas à y trouver des personnes. Mais alors, qu'est-ce que vous cherchiez? Des indices, je viens de vous le dire. Mais oui, mais qu'avez-vous fait pour trouver cette cache? Je n'ai pas sondé les murs, si c'est ce que vous me demandez. Vous avez consacré 2 heures de temps et vous... Et quoi? À la recherche de tout élément pouvant orienter mon enquête. Alors, M. Delpierre a dit que vous avez discuté ensemble des moyens à mettre en œuvre. Oui. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez décidé comme moyens spéciaux à mettre en œuvre pour retrouver les petites filles? Aucun, madame. Aucun. Oui, bon, on connaît l'histoire. Michaud ne va pas trouver Julie et Mélissa parce que
Manifestement, il n'a même pas tapé sur les murs. Bon, il ne les trouve pas, sont-elles là, ne sont-elles pas là, c'est aussi un mystère. Mais il va quand même saisir un certain nombre d'objets. Hein, on a parlé de ce fameux spéculum. De la crème vaginale, ce qui prouve d'ailleurs bien qu'on ne perquisitionnait pas pour un vol de camion. Et donc on saisit un autre cassette. Non, non, deux cassettes. Alors ça fait un gros paquet quand même de cassettes. Que... Il y a des VHS. Il y a des cassettes i8. Enfin bon, i8, c'est hein, un peu... C'est un tas de cassettes qui sont envoyées à Bruxelles pour y être visionnées et puis qui sont restituées à l'avocate Dutroux, puis à Dutroux, au moment où il sortira de prison. Sauf trois ou quatre d'entre elles qui restent là et qu'un gendarme va visionner plus tard, en 1999. Et quand ce gendarme les visionne et que lui prend le soin de les visionner jusqu'au bout, il va découvrir au bout de ces cassettes, d'une part, une scène de viol. C'est un viol d'une jeune fille slovaque, apparemment. Viol dans lequel intervient Dutroux et qui a manifestement été filmé par lui. Et la jeune fille est endormie, elle est sous l'effet de médicaments. Oui. En juin 95. Voilà. Juin 95. Une scène de viol. Deux, on voit sur la fin d'une cassette, encore une fois, les travaux ou les traces des travaux d'aménagement de la cave de Dutroux, cette cave dans laquelle les gendarmes n'avaient précisément pas découvert la fameuse cache. On peut voir ça? Oui. Oui, en fait, il ne s'agit pas tout à fait des travaux dans la cave, mais des travaux en surface, au rez-de-chaussée, avec un trou qui montre la cave. Et on voit bien le volume de la citerne, en fait, puisque c'est dans cette citerne qu'il a aménagé cette cache. Oui, ça veut dire que si quelqu'un avait visionné ces images au moment de la saisie des cassettes, c'est-à-dire en 1995, on aurait pu, en tout cas, supposer que Dutroux, comme il le clamait d'ailleurs partout, aménageait bien des caches dans ses caves. Et c'est dans cette cave-là qu'un jour d'octobre 96, Jean-Denis Lejeune, le papa de Julie, a voulu descendre pour filmer avec son caméscope. On tombe directement sur une porte grillagée, avec une petite étagère qui servait de passe-plat. Et puis alors, il restait, je sais pas moi, peut-être 1m50, comme ça, sur 70, 80 cm. Ça, c'est l'espace qu'elles avaient pour vivre toutes les deux. Après l'endroit où on les a retrouvées mortes, c'était la première chose palpable qu'on pouvait voir et savoir où elles étaient pendant que nous, on les cherchait. On sait certainement que Julie est allée dans cette cache, puisqu'elle a écrit son nom sur le mur et que j'ai reconnu son écriture, c'est sûr. Donc on sait qu'elle y est passée. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est que quand on cherche un enfant, le minimum, c'est de l'appeler. On est dans une cave, on a des doutes, on se dit, est-ce qu'elles sont peut-être là? Le minimum, c'est de les appeler. Enfin, moi, ça je ne comprends pas qu'on n'ait pas appelé les petites. Il faut savoir que Michaud, quand il va chez Dutroux à Marcinelle, il va pour chercher des caches d'enfants. Et Michaud est au courant que Dutroux a déjà aménagé des caches dans d'autres maisons. Donc il est clair que Michaud devait être attentif à des caches. Moi j'ai l'impression qu'on a choisi les bonnes personnes, quelque part, pour faire certains travaux, et notamment la perquisition, peut-être pour être sûr qu'on ne découvre pas. Oui, jusque-là on a parlé de zones d'ombre, on arrive ici dans le noir absolu, dans tous les sens du terme, puisque Dutroux reste en prison 106 jours, entre début décembre 95 et mars 96. Si les deux fillettes sont effectivement dans la cache, elles sont là, seules, dans le froid, il a gelé. Je pense, José, qu'il y a une petite lampe de 25 watts, un minimum d'aération par un conduit qui passe par une cheminée. Et que mange-t-elle et qui les nourrit? C'est effectivement une des grandes questions de cette affaire, parce que Dutroux prétend que quand il est parti, il avait laissé de la nourriture pour les petites, mais c'est assez peu crédible dans la mesure où, lorsqu'il part pour être interrogé par la police communale, il ne sait pas qu'il va être arrêté. Donc, pourquoi aurait-il laissé de la nourriture, en tout cas en abondance? Après cela, Michel Martin va se rendre à Marcinelle régulièrement, mais semble-t-il essentiellement pour nourrir le chien que Dutroux lui a demandé d'installer à Marcinelle. Elle ne descendra, selon ses propres déclarations, en tout cas, elle peut mentir. Mais ça, c'est toujours la même chose. Hein. Elle ne descendra qu'une seule fois dans la cave, dit-elle, en tremblant comme une feuille, pour laisser de la nourriture à proximité des petites, mais on ne sait pas trop comment elles ont pu s'en saisir. Donc, la question de savoir qui les a nourries demeure en fait entière. Oui, il y a une chose qu'on peut dire d'après les déclarations de Michel Martin, ce qu'elle a laissé dans les sacs de nourriture,
assez époustouflant. C'est plusieurs pains, des boîtes à conserve, un ouvre-boîte, du fil américain. Ça, c'est bizarre. Mmh. Une ou deux boîtes de lait en poudre, une douzaine de bouteilles d'eau et un litre de soupe congelée. C'est avec ça donc que les petites auraient dû survivre du 4 janvier jusqu'à la libération de Dutroux. Alors dans le dossier, il y a des images de reconstitution où on voit Michel Martin essayer péniblement de manipuler la porte. Parce oui, elle n'arrive pas à refermer la porte. En fait, en l'ouvrant, elle l'a sortie de ses gonds. Elle n'arrive pas à la remettre dans ses gonds. Et on verra lors de la reconstitution qu'effectivement, elle n'y arrive toujours pas. Il y a un problème. Donc ça veut dire qu'elle y arrive avec beaucoup de difficultés. Et elle la remet contre l'ouverture en comblant ce qu'il reste comme béance avec des plaques de bois et des sacs de charbon, dit-elle. Alors évidemment, ce genre de témoignage-là n'indique pas avec certitude que les gamines étaient toujours dans cette cage, puisque je pense que Michel Martin ne mentionne pas de conversation qu'elle aurait eue avec les fillettes. Cette idée selon laquelle elles sont restées 106 jours dans la cage, sans jamais sortir, cette idée-là est contredite par quelques témoignages de personnes qui disent avoir vu l'une ou l'autre à l'extérieur. Et pourtant, c'est la thèse officielle du juge d'instruction. Mais si je me trompe, c'est bien ça. Elles n'ont jamais quitté. Reprise par le procureur général, Antilly. Reprise par Antilly, qui a donné une interview à la BBC, d'ailleurs. Je vous propose qu'on aille l'écouter, puisqu'on l'a, où elle est très, très affirmative. C'est étonnant. Oui. Et nous sommes là en janvier 2002. Oui, il y a 2 ans. On y va. On y va. Il y avait des témoins qui ont dit que Mélissa a été vue ailleurs. Peu crédible et pas prouvé. Pas du tout, ça. Mais ça restera dans le volet qui reste à l'instruction. Parce que le raisonnement des parents, surtout des parents Russo et de Maîtrisset, c'est de dire que d'autres hommes sont vus dans la cellule. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, mais il n'y a rien qui nous permet de le dire. Et les analyses de cheveux qui ont été demandées jusqu'à présent ne déterminent pas que d'autres personnes soient passées dans la cellule. Mais les analyses de cheveux sont finies parce... Elles sont finies. Elles sont finies. Oui. Alors, tous les cheveux ont été analysés. Tous les cheveux ont été analysés. Dans tous les pays du monde. Oui, alors ce qu'il faut dire, c'est qu'en janvier 2002, date de l'interview, les cheveux ne sont certainement pas tous... analysé, il n'y a que 3% de cheveux relevés dans la cache de la cave de Marcinelle sont analysés, et dans ces 3%, on a déjà retrouvé de l'ADN de 9 personnes inconnues du dossier, c'est-à-dire ni inculpées, ni victimes, ni enfants des inculpés. Dans l'état actuel des choses, on ne peut pas le dire. C'est relégué en tout cas au dossier bis. Tout ça, c'est le dossier bis. Qui ne fera pas partie du procès d'Arlon. D'accord. Donc ça, il y a des inconnus, évidemment. Donc les micro-traces, ça ne se trouvera pas dans le procès d'Arlon. Non, donc... Qu'est-ce que c'est les micro-traces, en fait ? Les micro-traces, c'est tout ce qui peut se retrouver là où vous êtes assis, par exemple, c'est des cheveux à vous, c'est des particules de peau, des miasmes, c'est vraiment... De la salive. On a retrouvé sur le mur de la cache de l'ADN de l'une des deux petites, Julie ou Mélissa, je ne sais plus laquelle, mélangée avec de l'ADN d'un homme adulte non identifié. Oui, c'est évidemment troublant, mais on n'en parlera pas au procès d'assises. Et non. Bien. On y tourne. On en arrive à la libération de Dutroux, qui est libéré pour des raisons familiales, le 20 mars 1996. Il est entré en prison au mois de décembre, à une époque où il était considéré comme le suspect numéro 1 dans l'enlèvement de Julie et Mélissa. 106 jours plus tard, on a le sentiment assez étrange que la prison l'a blanchi. Il n'est plus le suspect numéro 1. Oui, puisque les perquisitions n'ont rien donné, la vision des cassettes n'a rien donné, et que l'opération Othello a été suspendue. Il faut même dire que le parquet ne fait pas appel. D'ailleurs, je voudrais rappeler qu'à ce moment-là, Dutroux est toujours sur le coup d'une libération conditionnelle pour la première condamnation en 1989, que son terme arrivait en mai 98, et que personne, parmi les enquêteurs, le parquet et le juge d'instruction, personne ne songe à révoquer cette libération conditionnelle. Il a quand même séquestré des adultes, après avoir séquestré jadis des enfants. Donc il sort et personne ne le suit. Ah oui.
Est-ce qu'on a pu reconstituer son emploi du temps de cette première ou deuxième journée de sa libération? Oui, il y a d'abord ses déclarations. Dans ses premières déclarations, il dit qu'il rentre chez lui directement et qu'il trouve les fillettes mourantes et qu'il a essayé de les ranimer, que Julie est morte la première, que détail affreux, il la met dans un congélateur et qu'il s'occupe de Mélissa, de ranimer Mélissa, qui va agoniser pendant 3-4 jours. Avec une tête d'eau. C'est ça, qui va chez le pharmacien pour essayer de lui injecter des fortifiants, etc. Il dit que depuis son retour à la maison jusqu'au décès de Mélissa, il n'a pas quitté la maison, sauf pour aller à la pharmacie, mais effectivement, son emploi du temps, quand on le reconstitue, montre que sa préoccupation première n'était peut-être pas nécessairement la réanimation des petites, parce que on voit... Vous avez une liste Le 21 mars, il va au Macro, de l'eau de l'Insard, pour acheter un cric, puis il va à Braine-l'Alleud, pour une réunion organisée à l'école de son fils, donc ça va prendre toute l'après-midi, 14h. 21 mars, également, il va à une agence bancaire pour faire des versements. Et puis le 22 mars, il se préoccupe surtout d'aller chez un agent de change pour acheter des actions, Recticel, 500 actions. Puis alors, l'emploi du temps montre quand même qu'il est assez dispersé. Il fait nettoyer sa maison. Il récupère ses cassettes. Il va récupérer ses... Oui, alors ça, c'est intéressant, ça. Le 24 mars, Mélissa décède la nuit précédente. Et c'est ce jour-là qu'il va récupérer ses cassettes chez son avocat. Alors, ça c'est le récit de Dutroux, recoupé par certains témoignages. Mais sur les circonstances exactes de la mort, il n'y a rien d'autre. Sont-elles vraiment mortes à cette date-là? Étaient-elles vraiment dans la cache lorsque Dutroux est libéré? Étaient-elles vivantes dans cette cache ou ailleurs? Autant de questions qui restent suspendues à la seule version Dutroux. Effectivement, et lorsque on réalisera l'autopsie des corps des deux petites au mois d'août suivant, les médecins légistes ne pourront pas dire à quelle date précise elles sont mortes, ni à quelle date précise elles ont été inhumées. Oui, ça m'avait étonné à l'époque. Hein. Oui, et un médecin légiste nous a confirmé ces jours derniers que, effectivement, c'était impossible de le déterminer de façon précise. Il faut se rappeler que pendant toute cette période, les parents de Julie et Mélissa sont toujours à la recherche de leurs enfants. Et que Dutroux, lui, se promène, fait son petit bonhomme de chemin, comme il veut, sans surveillance apparemment. Avec son complice le lièvre, en tout cas. Voilà. Et que le 28 mai 96, donc, à Caen, il enlève Sabine Dardenne. Sabine, c'est sa route, elle vient de là. Tous les matins. 7h30, 7h35, à quelques minutes près, c'est toujours le même horaire. Elle suit cette route-ci. À vélo. À vélo. D'après ce qu'elle m'a dit, la camionnette est venue, elle l'a rattrapée, coincée ici, la porte latérale s'est ouverte, deux individus, c'est tout ce qu'elle a pu me dire, deux hommes, on l'a jeté dans la camionnette, on a pris le vélo, on a tout pris, et tout dans la camionnette. Tous ses sacs. En moins de temps qu'il faut pour le dire. Ils étaient deux. Deux. Et elle s'en souvient. Ça, elle se souvient très bien qu'il y avait deux personnes. Maintenant, elle me dit Dutroux, c'est certain. Et le lièvre, à 90%, c'est certain aussi. Quand elle est arrivée là-bas, elle a regardé sa montre, il était 10h30, elle était dans la cave, à Marseille. Elle a été enfermée 3 mois, toujours dans le même... 80 jours, toujours dans la même cache, mis à part à quelques moments où il la sortait pour ce que vous savez. Hein. Sabine, un naturel très combatif, comme ça, très, très résistant. Oui, elle a une très grande volonté. Elle a un bon moral aussi, et je crois que c'est ça qui l'a fait survivre. Parce que bon, ce n'est pas avec ce qui lui donnait à manger et à boire qu'elle aurait pu tenir. J'ai l'impression que c'est sa tête qui a tenu tout le reste du corps. Dutroux jouait un jeu avec Sabine, c'est-à-dire qu'il lui a fait croire qu'il communiquait des lettres. Oui, très, très fréquemment, il lui demandait de nous écrire et à ce moment-là, il lisait les lettres.
il retournait la situation en sa faveur et il lui disait, tu vois, tes parents ne cherchent même pas après toi, ils ne veulent pas payer la rançon. En plus, ton père a monté la piscine, tes copines viennent s'ébattre dans la piscine. Tout ce genre de... Ah, ce côté-là, il a bien travaillé. Hein. C'est ça qu'on voit, que c'est vraiment un pervers dans la moelle. Hein. Ça se sent. Hein. Elle pensait qu'elle était complètement abandonnée. Oui, elle pensait qu'elle était complètement abandonnée. Et en plus, dans une cage... comme elle était, excusez du peu. Hein. Alors, la question qui se pose et qui s'est posée, j'imagine, enfin, j'espère à ce moment-là, c'est est-ce que cet enlèvement, tout à coup, fait réapparaître le nom de Dutroux comme suspect potentiel, puisque ça ressemble quand même fort à la méthodologie Dutroux, cet enlèvement de Sabine. En tout cas, dans les briefings de l'instruction, lorsqu'elle est ouverte à tourner, puisque quelqu'un est prêt de tourner, on prononce le nom de Dutroux, et le juge Tolbeck, à ce moment-là, s'en inquiète, et il téléphone au BCR, l'organe central de renseignement de la gendarmerie, qui était en liaison directe avec l'opération Tello, et il demande, mais qui est ce Dutroux? Est-ce que vous avez des informations? Et on lui dit, non, vous en faites pas, tout est sous contrôle, il est surveillé par le POSA. Et le juge Tolbeck en témoignera à la commission d'enquête parlementaire. Oui, parce que pour le juge Tolbeck, le POSA, c'est quelque chose de sérieux. C'est ça. Et alors, donc, il dit, bon, il ne s'inquiète pas sur Dutroux. Oui. Ce sont eux qui m'ont dit, nous avons un suspect important, nous nous en occupons. Ce sont eux qui m'ont dit ça immédiatement. Et je vous dis, quand on me dit que le POSA est dessus, ben POSA, je suppose que tout le monde ici sait ce qu'est le POSA, c'est pas le petit guerre champêtre du coin. Quand on me dit ça, et qu'on me dit, en plus, il y a déjà eu deux perquisitions chez lui négatives, moi je fais évidemment confiance à cette cellule nationale et au fait qu'on me dise que le POSA est dessus. Alors, là, contrairement à notre problème qu'on a eu jusqu'à présent, il y a un témoignage qui n'est pas un témoignage des accusés. C'est le témoignage de Sabine Dardenne elle-même sur les conditions de sa détention. Et Sabine Dardenne, heureusement, est toujours vivante. Elle a été détenue pendant quasiment 3 mois par Dutroux et elle a raconté son calvaire. Elle a été victime de violences sexuelles fréquentes et répétées de la part de Dutroux et de la part de Dutroux seulement. Elle en tiendra d'ailleurs le récit détaillé dans un petit journal codé qu'elle tient pour elle dans sa cache pendant sa détention. Elle est dans la même cache? Elle est dans la même cache, elle est à Marcinelle, comme Julie et Mélissa. Alors, évidemment, ce récit de Sabine Dardenne, plus tard, sera exploité par le juge Langlois dans le cadre de l'instruction pour refuser une série de devoirs d'instruction sur d'autres enlèvements et sur d'autres séquestrations, celle de Julie et Mélissa, celle de Anne et Fieux. Le raisonnement du juge Langlois consistant à dire, puisque Sabine Dardenne, il est établi qu'elle n'est restée que à Marcinelle et qu'elle n'a été victime de sévices sexuels que de la part de Dutroux, eh bien j'en déduis la même chose pour les autres. Et puis voilà, c'est presque l'impensable, mais le 9 août 1996, à Bertry, une autre petite fille est enlevée, cette fois-ci. Il s'agit de Laetitia Delay, qui a 14 ans. Mais Laetitia, donc, est allée à la piscine avec une copine. Et Laetitia a décidé de retourner, elle a dit à sa copine, je retourne. Donc elle est sortie donc, de l'endroit où on voit là. Mm-hmm. Elle est allée vers la pierre blanche, donc on voit là. Et apparemment, ce serait dans le coin là. Mais qu'il y avait une camionnette qui était arrêtée. Que la camionnette se serait trouvée. Mm-hmm. Alors bon, ils lui ont demandé comment ce qui se passait à Bertry. Alors la gamine a dit, il y a les 24 heures de mobilette qui se préparent. Elle s'est rapprochée de la camionnette alors. Ils lui ont posé la question une deuxième fois, parce qu'ils ont dit qu'ils n'avaient pas bien compris. Alors elle s'est rapprochée. Et alors ça, c'est là que bon, il y en a un qui l'a pris par le cou par derrière. Mm-hmm. Et qu'il a fait rentrer dans la camionnette. Ils l'ont essayé donc de lui faire prendre des gouttes et des médicaments. Donc elle l'a recraché une première fois. Ils lui ont dit que c'était une petite maline. Alors ils lui en ont encore remis et elle s'est endormie. Et puis bon, ils sont partis. Et bon, elle est restée que 7 jours, mais c'est 7 jours de trop. Hein. Mm-hmm. Moment important, mais qui n'est pas une zone d'ombre, puisque c'est fait en pleine lumière. Cette fois-ci, le 13 août 1996, arrestation de Dutroux, Martin et Delièvre. Alors là où c'est moins clair, c'est pourquoi est-ce que tout à coup,
Cette fois-ci, après l'enlèvement de Laetitia, tout se précipite. Tout le monde arrive. Alors, la version officielle, c'est que des témoins avaient repéré une camionnette suspecte à Bertry le 8 et le 9 août, donc au moment de l'enlèvement de Laetitia. Oui, c'est ça, c'était sur la plaque. Alors, il relève la plaque, les lettres FRR, et c'est ainsi qu'on aurait identifié la camionnette. Ça n'a jamais paru très probant. Sur une liste de une cinquantaine de propriétaires de camionnettes ayant une plaque qui commence par FRR, donc il y en avait 50, parmi eux, le nom de Dutroux. Et le lundi 12 août déjà, René Michaud arrive de Charleroi à Neuchâteau. Des gens du Posa arrivent de Charleroi à Neuchâteau. Le lendemain matin, c'est le commissaire Lamotte qui arrive de Liège à Neuchâteau, alors que Dutroux n'est toujours pas officiellement identifié. Là, on peut se poser la question de savoir si les enquêteurs ne sont pas en train d'essayer de parer dans l'urgence à ce qui s'annonce quand même comme un grand fiasco. En fait, dès ce moment-là, ce qu'on constate, c'est que la gendarmerie semble vraiment investir littéralement Neuchâteau, comme s'il s'agissait de prendre la main sur la cellule d'enquête. Et dans les jours suivants, il y aura, rappelez-vous, cette protection rapprochée de Michel Bourlet et du juge d'instruction Jean-Marc Conroth. Une rumeur avait couru qu'un contrat, comme on dit dans le milieu, un contrat avait été passé sur leur tête. Et donc, les gendarmes vont les placer sous protection rapprochée. On ne parlera plus jamais après de ce contrat. On n'aura apparemment jamais la moindre preuve du fait qu'un tel contrat ait bel et bien été passé. Mais toujours est-il que la rumeur aura pour effet que les deux principaux magistrats enquêtant à Neuchâteau seront très étroitement accompagnés par les gendarmes. Alors le 15 août 96, tout le monde a en mémoire les images de la libération de Sabine et Laetitia. Il faut dire que la veille, il y a déjà eu une perquisition dans la cave de Marcinelle et les enquêteurs n'ont pas trouvé la cache à ce moment-là. Le chef de la perquisition était René Michaud. J'ai l'immense plaisir de vous annoncer que nous avons retrouvé saine et sauve Laetitia, mais aussi Sabine. Oui, on m'avait manqué. Oui, après ces images de libération de Sabine et Laetitia le 15 août 96, la Belgique tout entière et évidemment les parents des fillettes disparues en particulier apprennent les noms qui jusque-là leur étaient totalement inconnus, bien sûr. Il faut se rappeler ça, hein, de Dutroux, Martin et de Lièvre qui ont donc été arrêtés. Et le 16 août, il y a un nom supplémentaire qui arrive, c'est celui de Michel ou Jean-Michel Nioul. Peut-être serait-il intéressant de rappeler ce qu'il vient faire dans ce dossier, en fait, pourquoi il est arrêté. C'est-à-dire que dès que Dutroux est désigné comme celui qu'il faut arrêter, donc le 12 août, on met son téléphone sous écoute et on constate que des coups de téléphone sont donnés depuis Bruxelles et par un certain téléphone de M. Nioul. Et dans les premières déclarations de Lelièvre, le 13 août, au soir, il parle de Jean-Michel Nioul comme d'un contact qu'il a régulièrement à Bruxelles. Et ça interpelle évidemment les enquêteurs qui vont aller trouver Jean-Michel Nioul, qui n'est pas là. Ils vont faire une perquisition, trouver dans ses papiers l'adresse de Dutroux et de Lelièvre. Et c'est le 16 août que Nioul sera arrêté. C'est ça. Alors là, on fait le relevé des communications téléphoniques de Dutroux et Lelièvre, les communications antérieures, et on s'aperçoit que Nioul leur a téléphoné ou a reçu des coups de fil de Dutroux et de Lelièvre 75 fois en quelques mois, et 32 fois pour la seule période qui va du 5 au 14 août, c'est-à-dire dans les derniers jours qui précèdent immédiatement les arrestations. Et on sait de quoi il parle pendant ces communications téléphoniques ? Alors Nioul racontera que toutes ces communications téléphoniques étaient liées aux nécessités de réparer sa voiture, qui devait être réparée chez un garagiste de Charleroi, un ami de Lelièvre, mais la voiture était toujours à Bruxelles. En fait, Dutroux et Lelièvre viennent chercher cette voiture le 10 août, donc le lendemain du jour où ils ont enlevé Laetitia. Et c'est l'explication que donne Nioul. J'imagine aussi que les enquêteurs de cet instant établissent le portrait de ce Nioul qui a quand même
un palmarès aussi. Oui, alors lui, il se définit comme un homme d'affaires, avec des activités dans l'immobilier, la restauration, des choses comme ça. En fait, c'est un escroc. Il a été condamné pour escroquerie, pour faux. Il fait de petites affaires. Et c'est aussi un homme qui est un habitué de milieux un peu particuliers, celui des clubs échangistes, des soirées fines, partout. Oui. Il a même été associé à la gestion d'établissements où se déroule ce type d'activité. Le Dolo, les Atrébates, le Château de Foulon. Là, il y a du fric, là, par contre. Il y a de l'argent qui circule. Il y a de l'argent qui circule. Mais on doit surtout dire que c'est un milieu très différent de celui de Dutroux. C'est ça. En fait, Nioul, c'est quand même un homme qui fait ses petites affaires avec son carnet d'adresses, avec ses relations, avec ses contacts. Alors, il y a là-dedans des contacts assez douteux. Il a pour ami Michel Van der Elst, un ancien avocat radié du barreau, qui lui fournira plus tard un alibi qui s'effondrera. Il a eu pour compagne Annie Bouty, avocate radiée du barreau, elle aussi. Mais il a aussi des connaissances dans le monde politique, dans le monde des affaires. Et il en fera souvent en tout cas, il s'en vantera souvent. Nioul et Le Lièvre se connaissent depuis très longtemps. Hein. Très longtemps, non. Il déclare s'être rencontré en 94. Oui. Le Lièvre sortait de prison. Il avait rencontré en prison un ancien associé de Nioul, un certain Casper Flier. Oui. Et c'est Casper Flier qui présente Le Lièvre à Nioul, lequel s'engage à aider Le Lièvre en cas de besoin. En 84, j'ai eu besoin Nioul comme relation publique. Et donc, il est à ce moment-là, pendant quelques mois, on a travaillé ensemble dans la reprise d'Intermul Sanden. En 92, on a utilisé ma société pour le transport de cocaïne, et donc j'ai évidemment été en prison pour ça. Michel Lièvre, j'ai fait connaissance avec lui dans la prison. J'étais écrivain à la prison de Forêt, et de ce fait-là, je connaissais carrément des milliers d'ex-prisonniers. Il était pour moi un garçon normal. Il sortait tout le week-end, de vendredi soir jusqu'à lundi matin. Il était toujours plein de copains de son âge. Je n'ai jamais vu Michel Lièvre avec un jeune, petit ou quoi que ce soit. Et puis plus tard, en 95, selon Dutroux, en été 95, selon Nioul, un peu plus tard, Dutroux et Nioul se rencontrent. Et, la nuance est assez... Ben oui, parce qu'entre les deux, il y a l'enlèvement de Julie et Mélissa et celui de Anne et Effieux. Alors, ils se rencontrent à plusieurs reprises. L'une de leurs rencontres, par exemple, a lieu dans un garage de Charleroi. Et Nioul est emmené par Dutroux à Sarre-la-Buissière parce que Dutroux veut demander à Nioul d'expertiser sa maison pour savoir si on pourrait y installer un club échangiste. Et selon la version que Dutroux donnera, Nioul lui aurait répondu « Un club échangiste, ça ne rapporte pas, mieux vaudrait installer un club sadomaso ». Nioul donne une version un peu différente, il expliquera que, vu l'état des lieux, les investissements étaient beaucoup trop importants à réaliser. Ça, c'est un exemple d'une de leurs rencontres. Il y en a d'autres qui, en général, se passent à Bruxelles, alors, chez Nioul lui-même ou chez son ancienne compagne Annie Bouty. Par exemple, une fois en novembre 95, Dutroux amène Weinstein chez Nioul parce que, explique-t-il à Nioul, Weinstein a besoin de faux papiers pour pouvoir quitter très rapidement la Belgique. Novembre 95, nous sommes quelques semaines après la mise à mort de Anne et Effieux et on va aller chez Annie Bouty pour voir si elle peut leur arranger le coup. Ce ne sera finalement pas nécessaire puisque, comme on le sait, Dutroux, quelques jours plus tard, assassinera Weinstein. Oui, on a retrouvé le corps de Weinstein dans la propriété de Dutroux à Sarre-la-Buissière, un mètre plus bas que les corps de Julie Mélissa. C'était le 17 août 1996. En effet, le matin même, Dutroux a parlé spontanément des deux petites filles et il a indiqué l'endroit exact où Julie et Mélissa furent enterrées dans son jardin. Après ces événements, là, bien entendu, on continue à travailler d'arrache-pied à Neuchâtel, quand on va de Bourlay. Il y a donc de nouvelles arrestations, Zicke, dont on a déjà parlé tout à l'heure, et puis Bouty, Diacostavrianos, Pinon, Dan, de Coqueron, Tiron, enfin toute une litanie. Mais il semble tout de même que l'attention va se focaliser sur Nioul. Alors pourquoi est-ce qu'elle se focalise sur Nioul? Est-ce qu'il y a dans les premiers temps des interrogatoires quelque chose qui fait croire que Nioul, disons, est pour Kondrot un client sérieux? Oui, en fait, dans leur première déclaration aux enquêteurs, Michel Martin et Michel Le Lièvre mettent fréquemment en cause Michel Nioul.
Le lièvre, par exemple, évoque des trafics d'armes, de faux passeports, de voitures avec Nioul. En même temps, il semble craindre un peu Nioul. Dans certains PV, il dit qu'il craint pour sa vie s'il continue à révéler des choses sur Nioul. Michel Martin va un peu dans le même sens. Elle précise, dans l'une de ses premières déclarations, que selon elle, Weinstein et le lièvre faisaient partie d'une bande avec Marc Dutroux et Nioul et qu'elle en avait peur. Donc, ce nom revient. Ça c'est ce qu'elle dit au mois d'août 96. Août 96, oui, vraiment dans les premières, ses premiers interrogatoires. Ces premiers interrogatoires, c'est souvent important, puisque... Ils n'ont pas eu le temps de se concerter, voilà. Encore, ils n'ont pas eu le temps de préparer leur défense. Donc, Nioul, première déclaration, qui tendrait quand même à faire croire que ce type est quelqu'un qui fait peur. Est-ce qu'il y a autre chose contre Nioul? Oui, alors il y a une série de charges qui vont commencer à s'accumuler contre lui. Par exemple, il y a les trafics de drogue entre Nioul et surtout le lièvre. À plusieurs reprises, Nioul, semble-t-il, a livré de la drogue à le lièvre. Et la dernière livraison, c'est le 10 août 1996. 1000 pilules d'ecstasy qui sont livrées à le lièvre. Ce qu'il a nié pendant 2 ans. Alors, exactement. Plus. Pendant longtemps, Nioul va complètement nier cette histoire. Il va dire, non, je n'ai jamais touché à la drogue. Il l'écrit même dans un livre, Rumeurs et Vérités, à la page 172. Il dit, le lièvre a déclaré que c'est moi qui lui fournissais par 1000 pièces et que de mon côté, je me fournissais à la BSR. Ne riez pas, les enquêteurs l'ont cru. Ils pensaient vraiment que les gendarmes me fournissaient. On est en plein délire. Eh bien, ce que Nioul qualifie de délire, 2 ans plus tard, il dit, c'est vrai. Je pénétrais un réseau de trafiquants de drogue pour le compte de la gendarmerie, et c'est la gendarmerie qui m'avait chargé de vendre, de proposer de la drogue à le lièvre. Alors l'explication vaut ce qu'elle vaut, la gendarmerie ne s'est jamais exprimée là-dessus, elle n'a jamais dit, oui, effectivement, Nioul était un de nos informateurs, il semble bien qu'il l'ait été, qu'il ait même été codé à partir de juillet 96. Mais, l'idée, si vraiment ça s'était passé comme ça, ça aurait voulu dire que la gendarmerie aurait mis sur pied elle-même un réseau de trafiquants de drogue pour pouvoir le démanteler. Oui, et ça, ce serait tout à fait illégal. Hein. Des gendarmes peuvent acheter de la drogue à des trafiquants pour les faire tomber, mais ils ne peuvent jamais en vendre eux-mêmes. Ça s'appellerait de la provocation policière, et un tribunal ne pourrait qu'annuler des poursuites pénales intentées sur de telles bases. Oui, ce qu'il faut dire aussi, c'est que sur Nioul, il y a quand même d'autres choses, notamment le fait que des témoins affirment n'avoir vu à Bertry la veille et le jour de l'enlèvement de Laetitia. Oui, effectivement, des témoins vont se présenter auprès des enquêteurs en disant qu'ils ont vu Nioul à Bertry aux alentours de la piscine, soit le 8, soit pour certains le 9 août, donc le jour de l'enlèvement de Laetitia. Et ce sont des gens qui ne se connaissent pas entre eux, qui habitent la région, qui n'ont pas pu se concerter. Curieusement, le juge Langlois va écarter ces témoignages en estimant qu'ils se contredisent. Quand on les lit en détail, on ne voit pas très bien où sont les contradictions. La manière dont les témoins qui ont vu, ou qui déclarent avoir vu Nioul le 8 parlent de lui n'est pas contradictoire. Et pour ceux qui l'ont vu le 9, ce n'est pas contradictoire non plus. Maintenant, Nioul, lui, il faut le préciser, va nier toute présence à Bertry ces jours-là. Il va avancer dans un premier temps, pour la journée du 9, un alibi qui sera conforté par un de ses amis, un certain Michel Van der Elst, dont on a déjà parlé, un avocat radié du barreau de Bruxelles, pour faux témoignage d'ailleurs. Et de fait, l'alibi que Michel Van der Elst confirmait s'effondrera par la suite, Van der Elst reconnaissant qu'il s'est trompé quant aux dates. Donc, là, les versions de Nioul vont se succéder et se modifier au fil du temps. On constate aussi, à la lecture des dossiers et des curriculum vitae des individus, qu'il y a quelque chose en commun aussi au point de vue activité délictueuse entre Nioul et Dutroux, c'est le trafic d'êtres humains. Effectivement, entre Nioul, Dutroux et le lièvre, puisque c'est le lièvre qui, le 25 avril 98, alors qu'il est interrogé, déclare « Il s'agissait de faire venir des filles en Belgique pour qu'elles se prostituent en Belgique ». Et il précise, les filles devaient avoir une bonne présentation, ne pas être vulgaires. Nioul était exigeant à ce niveau-là. C'est lui qui devait s'occuper de recevoir les filles, de les habiller, de les préparer, puis de les placer dans un club. C'est bien Nioul qui aurait dû garder les passeports des filles et qui devait s'occuper de toute l'intendance et du paiement. Mais il est marqué qu'il ne s'agit pas de se prostituer en rue, mais bien dans des clubs. Donc c'est... Exactement. Et Nioul devenait, dit toujours le lièvre, le maquereau des filles ramenées par Dutroux.
Et Nihoul se faisait pressant. Ah oui, pas ce qu'il voulait. On effectivement. D'abord, Dutroux confirme ce que dit Lelièvre, puisqu'il dit à son tour dans un interrogatoire de 96, lui, il dit Nihoul cherchait des filles pour la prostitution, il voulait des Tchèques et des Slovaques, il promettait 30 000 francs par fille. Et Lelièvre précise qu'ils se sont rendus avec Dutroux plusieurs fois en Slovaquie, à Topolkany, et que dès leur retour, Nihoul n'a cessé de les harceler. Il était pressant, dit Lelièvre. Alors là, il faut bien distinguer, évidemment, les projets de réseau de prostitution, d'une part, qui ne semblent pas s'être concrétisés, il semble même qu'ils aient une certaine tension entre eux à ce moment-là. Mmh. Ça, c'est une chose. Et puis, d'autre part, les enlèvements et les séquestrations pour lesquels Dutroux est accusé, pour lesquels il est en partie en aveu, et à propos desquels les autres inculpés ne portent pas d'accusation précise contre Nihoul, sauf peut-être Michel Martin. Michel Martin, dans l'une de ses premières déclarations, dira effectivement que lorsqu'elle a appris l'enlèvement de Anne et Effieux, elle a pensé que Nihoul devait y être intéressé également. Et elle ajoute, c'est en septembre 96 qu'elle dit ça, elle ajoute, « J'ai pensé la même chose pour ce qui concerne l'enlèvement de Sabine et Laetitia. Pour ces deux dernières, j'en étais même encore plus sûr. » Et quand les gendarmes lui demandent pourquoi, sur quoi elle fonde cette conviction ou cette certitude, elle fait état des nombreux coups de fil qu'elle recevait à la maison de la part de Nihoul pour Dutroux, et elle fait état aussi du fait qu'elle a entendu un jour Dutroux dire à Lelièvre qu'il devait l'un et l'autre ramener une fille à Nihoul. Voilà, là nous étions au bout de notre retraite dans son petit village ardennais. On revient ici en studio à Liège pour tirer les conclusions. Alors, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que toutes les pistes menant à d'éventuels réseaux, d'éventuelles protections n'ont pas été vraiment explorées et qu'on ne saura peut-être jamais où elles auraient conduit ces pistes, puisque simplement on les a stoppées. Oui, effectivement. Est-ce qu'il y avait un réseau autour de Dutroux? Est-ce que Dutroux avait, c'est une autre façon de poser la question, le projet de constituer un tel réseau? C'est évidemment la question qui va traverser tout le procès d'Arlon. Alors, il y a dans le dossier des éléments qui penchent plutôt en faveur de l'hypothèse d'un réseau ou d'un réseau en voie de constitution. On en a donné des exemples dans l'émission, d'ailleurs, les accusations de Claude Thirault sont très claires là-dessus. On en a parlé tout au début. Et puis, il y a d'autres éléments dans le dossier qui penchent plutôt pour l'absence d'un réseau. Par exemple, le témoignage de Sabine Dardenne, qui reste 3 mois entre les mains de Dutroux, n'atteste pas, pour ce qui la concerne en tout cas, qu'il y ait eu un réseau. Le problème, c'est que la manière dont l'instruction va se dérouler à partir du moment où le juge Langlois en prend la direction, va plutôt écarter cette hypothèse pour se fixer sur celle du prédateur isolé. Mais quand on fait le survol de l'ensemble de cette situation à partir du dossier de l'opération Othello, on s'aperçoit que cette inertie de départ qui tournait autour de Dutroux et cette espèce de jeu d'évitement, en tout cas en ce qui concerne l'enlèvement des enfants, mais dans lequel était appliqué également non seulement la gendarmerie, mais aussi des membres de la magistrature de Charleroi. Le parquet était au courant de l'opération Othello. Et cette opération qui consiste à isoler Dutroux, ben, on peut dire qu'après le désaisissement du juge Conrod, ben, elle continue en quelque sorte, parce qu'on va de nouveau élaguer, évider des pistes, et on va saucissonner les dossiers. On en a beaucoup parlé. Le dossier vol de camions de voitures est envoyé à Nivelles, et c'est là qu'on retrouve d'autres acteurs qui étaient arrêtés au départ par Conrod, dont Zico d'ailleurs, dans le dossier vol de voitures. Oui, puis parallèlement, il faut aussi peut-être parler de ces contrefeux. Alors on peut quand même les rappeler, il y a ces fouilles interminables dans les tunnels de Jumet, il y a l'histoire de la secte à Brassacs, il y a les accusations de pédophilie portées contre Elio Desroupeaux et d'autres personnalités politiques. Tout ça ne débouchera sur rien. On s'apercevra même que dans certains cas, c'était franchement des coups montés. Mais par qui et pourquoi? C'est un peu comme si on avait voulu égarer l'enquête. Alors il y a ces contrefeux qu'on allume, mais il y a également les incendies qu'on éteint, comme on a arrêté brutalement toutes les enquêtes sur les déclarations des fameux témoins X, dont Régine Allouche. Et par la suite, la scission du dossier, la constitution d'un dossier bis, qui ne sera donc pas plaidé à Arlon, va accentuer encore ce phénomène, parce que dans le dossier bis, on retrouve une série d'éléments qui sont précisément ceux qui auraient pu déboucher, je dis bien qui auraient pu, parce qu'on ne peut pas avoir de certitude dans ce domaine, mais qui auraient pu déboucher sur la mise en cause d'autres personnes encore que celles dont on va parler à Arlon. Quoi qu'il en soit, si vous voulez, ce qui me semble très important et qui est très touchant dans cette histoire, c'est qu'on a vraiment le sentiment que normalement, il ne devrait pas y avoir une victime dans cette affaire. Et qu'en 15 jours, tout aurait été réglé, tout aurait pu être réglé. Julie et Mélissa sauvées,
Anne et Effieux sauvés. Et ce qui est peut-être choquant, ce qui est sans doute choquant, surtout pour les familles, c'est qu'aucune des personnes responsables de cette montagne de dysfonctionnement qu'on a révélée à la commission parlementaire, aucune de ces personnes n'a été sanctionnée. Il y a même eu des promotions. Et ça, c'est effectivement troublant parce que on a souvent dit, pour expliquer l'attitude de la gendarmerie, que c'était une espèce d'effet de la guerre des polices, comme si la gendarmerie avait surveillé Dutroux sans intervenir pour préparer une opération de plus grande envergure, préparer un grand coup. Et puis elle aurait ensuite, évidemment, ça je crois que c'est assez clair, lamentablement échoué. C'est plausible, mais ce n'est pas tout à fait convaincant, parce que si les choses se sont bien passées comme ça, ça veut dire alors qu'on a commis des erreurs énormes dans cette enquête. Les erreurs, ça se sanctionne, or ici, on n'a pas sanctionné, et même, on a fait un peu plus que ça, on a presque fait passer le message, vous avez bien travaillé, vous avez bien enquêté. Alors, si cette enquête était bonne, c'est que l'objectif, en tout cas, l'objectif premier, n'était pas d'arrêter Dutroux, n'était pas de le mettre hors d'état de nuire. C'est une des zones d'ombre, c'est peut-être une des questions qui va effectivement continuer à se poser. Voilà, je pense que tout ce qu'on peut encore ajouter, c'est que le mystère très largement demeure, et qu'au bout du compte, peut-être ce qui prédomine, c'est cette sensation d'un immense gâchis et d'un inacceptable qui, au fil du temps, est devenu accepté par presque tout le monde. Que ce document était le premier d'une série de trois relatifs au dossier Dutroux. Ainsi, émission spéciale actuelle la semaine prochaine. Nous serons alors à quelques jours de l'ouverture du procès d'Arlon et nous vous présenterons les portraits des quatre accusés avec et pour la première fois les témoignages de proches de Marc Dutroux, Michel Martin, Michel Lelièvre et Michel Nihoul, des témoignages notamment de membres de leur famille, mais nous entendrons aussi une victime, Sabine Dardenne, qui après 8 ans de silence a accepté de s'exprimer. Marc n'était pas un enfant difficile. Il était plus turbulent peut-être que ses deux autres frères. Hein. Ça, c'est un fait. Il était plus entreprenant. Il aimait bien qu'on s'occupe de lui. Quoi. On l'a attrapé par derrière, avec une main sur ma bouche pour ne pas que je puisse crier. Et donc, on m'a mis dans un véhicule à l'avant, de sorte à ce que je ne puisse pas me débattre et de sorte à ce que je ne puisse pas bouger. Pendant le trajet, on m'a mis des sparadraps assez épais sur les yeux pour que je ne puisse pas les ouvrir. On a roulé pas mal de temps et puis on s'est arrêté dans un endroit et il y a eu viol. Comment est-ce qu'une mère réagit lorsqu'elle apprend que son fils enlève et viole des jeunes filles ? Oh, c'est très mitigé, vous savez, en réalité... La première réaction, c'est d'avoir envie d'aller le secouer, d'avoir envie de lui dire, mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris ? Comme on ferait avec un enfant qui a mal fait, quoi. Et puis finalement, on devient plus froid, on prend ses distances. On se dit, mais c'est plus mon fils, ça, c'est quelqu'un d'autre. Moi, je ne le connaissais pas comme ça. Voilà donc pour l'émission de mercredi prochain. Actuel est à présent terminé, mais la soirée continue sur la Une avec la diffusion d'un document consacré à Marcel de Coeckeler, ancien accordéoniste de bal, mais aussi producteur à Moucron d'un nombre incroyable de tubes dans les années 70, comme par exemple Brasilia Carnaval, La Danse des Canards ou encore les grands succès de Crazy Horse. Marcel Superstar, donc tout de suite, un document signé Olivier Monsens. Au revoir, bonne fin de soirée. Marcel Super.
superstar, le phénoménal Marcel de Coquelaire. Il a produit un nombre incroyable de tubes vendus par millions à travers le monde. Il est quand même fortiche, hein, celui-là. Il avait le pif pour tout ça. We're clear for take-off. Ready for take-off. Les conditions salon Opel continuent à vous rendre complètement... Une structure de la peau plus jeune de 10 ans. Comment ? Grâce à la découverte unique de Nivea Visage. Le soin New Skin enrichi à la vitamine C pure renouvelle votre peau en profondeur pour une structure de la peau plus jeune de 10 ans. Nouveau New Skin de Nivea Visage. Waouh, quelle fille ! Mais est-ce que je la reverrai ? Elle reviendra, mais va falloir être patient. Pourquoi ? Elle utilise Dreft. Mais toutes les bouteilles durent aussi longtemps. Pas toutes.